Salut, c'est Antoine de la SRG Drift Team. Je viens aujourd'hui vous présenter les pneus Zecnova avec lesquels on roule en compétition depuis plusieurs années. Depuis qu'on roule avec, on est au niveau de voitures qui ont plus de puissance que nous. Rapport qualité-prix, je pense qu'actuellement, il n'y a pas grand-chose de mieux sur le marché. Donc je vous recommande vraiment d'essayer ces pneus, vous n'en serez pas déçus. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en direct pour le round numéro 5 du championnat de France de drift. C'est un plaisir de vous retrouver une nouvelle fois sur ce championnat exceptionnel. Les qualifs ont eu lieu ce matin. Lors de ces qualifications, on a sélectionné les 32 meilleurs pilotes qui vont être là, présents dans quelques instants sur le circuit de Calmont. Calmont, il n'y a pas qu'un circuit, il y a aussi un public. Et je crois qu'ils m'entendent. J'ai une petite question. Est-ce que Calmont, ça va? Oh là 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 là, l'ambiance de feu qu'il y a à Calmont. C'est le début de l'après-midi. Ils ont été chauds toute la matinée. On va pouvoir lancer cette compétition avec tous les protagonistes de l'événement. Bien entendu, on a les juges qui sont à mes côtés, qui sont juste sur ma gauche ici. En fait, il y a leur tente qui est juste sur ma gauche. Et vous avez dans cette même tente, vous avez Billy qui est juge aux côtés de Nuno. Je pense qu'on va revoir aussi un petit peu. Je vois la régie qui fait des allers-retours. J'espère que tout va bien. J'espère que vous me recevez en tout cas du côté live. Ce qui est sûr, une chose est sûre, c'est que côté public, ils me reçoivent très 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 bien. Ils s'entretiennent entre eux, ils sont bien régalés à midi. J'espère que vous avez bien mangé, que vous êtes bien posé. En tout cas, là cet après-midi, c'est les battles, avec notamment pour commencer la battle qui va opposer Jason Bannet à Alexandre Lemaire. Regarde, j'ai mes petites fiches juste là. Et ensuite, Arnaud Van Vermersch face à Nuno Pinto, Jérémy Mériès contre Nicolas Joie et Nicolas Dufour contre Giro Bourguin. Ça me permet de faire une petite aparté là-dessus. Quand on a le tableau des top 32, le tableau s'affiche comme ça. Vous voyez bien à l'écran. Voilà. Moi, je fais mes petites notes dessus et je me dis, est-ce qu'il y a des avantages, des inconvénients pour certains, pour d'autres? Et en tout cas, pas forcément ça, mais je me dis, qui peut tomber contre qui? Et là, pour le coup, si vous aimez, si vous suivez, je peux vous dire que si jamais les pilotes du team Banesport montent jusqu'en top 8, ils vont s'affronter tous les deux en top 8 parce que Jason et Jérémy sont sur la même poule en fait. Donc ils peuvent s'affronter en top 8. On a de belles battles en perspective hein, déjà cet après-midi. On a aussi Antoine Amar d'un côté face à Frédéric Adam, Jordan Lapelzola contre Jérémy Germain, Axel François contre Guillaume Guillot, Jérôme Esteban contre Jem Fourel. Lou Fourel, lui, il sera contre Franck Lagalis. Anthony Rochic contre Jocelyn Janin. Là aussi, ça risque d'être très chaud en top 32. Michael Perrotet sera contre Damien Fréchet. Yvon Buisson, lui, ce sera contre Laurent Niquedin. Lui, c'est ce qui fermera, ce qui donnera fin au top 32. Ok, j'espère que tout va bien. Je vois que ça circule un petit peu de la droite à gauche, mais j'espère que ça va sur les réseaux sociaux. Je vais essayer de voir vos commentaires. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est donc en direct. J'ai un objectif pour aujourd'hui, pour vous. J'ai un objectif à vous donner, c'est qu'on devienne la première communauté. Je parle de sport national, bien entendu, mécanique. La première communauté de France sur Insta. Donc il nous manquait 2000 personnes avant le début du week-end. Donc je vous invite à liker Drift France tout accroché. Voilà, on avait autre chose à faire, je me connecte, je regarde si tout se passe bien de mon côté, je regarde si ils sont comme des fous, je sais pas si vous les entendez bien, j'ai pas le retour audio du public là, j'ai pas le retour audio du public, mais promis, là ils sont comme des dingues, ils sont en train de faire des claps, ils sont en train de crier, on va l'avoir dans quelques instants, j'ai l'impression qu'il y a un petit problème câblage audio, je vois un câble audio qui est en train d'être retiré, bon, c'est juste à côté, c'est les aléas du direct, hein. C'est ça, on lance toujours la course. Et de mon côté, hop là. Voilà, je vois que nous sommes bien en direct. Ça me fait plaisir pour l'Euro numéro 5 à Calmont. Je suis en train d'essayer de choper vos questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, bien entendu, à me les poser. Je vais essayer d'y répondre entre deux battles. Il faut savoir que Calmont, c'est un peu particulier parce que vu que c'est une route
qui est fermé pour l'occasion. C'est pas comme un circuit où on peut faire le tour pour revenir s'installer en start line. Non, à partir du moment où les deux pilotes sont montés, ils doivent faire demi-tour et redescendre par la même allée. Donc on a un petit temps mort entre deux battles. C'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'on va pouvoir échanger et s'amuser ensemble. Là, j'ai vos commentaires qui tombent, mais n'hésitez pas. Ouais, bien joué. Alors, si vous êtes déjà à fond sur l'hashtag l'équipe 21. Bah ouais, carrément. Faire équipe 21, et j'ai trouvé le hashtag qui va avec. Le hashtag qui va avec équipe 21, c'est CFD à la TV. CFD à la TV. Voilà. Le hashtag qui va bien avec l'équipe 21. Bien entendu, faut les lier ensemble. Vous êtes déjà opérationnel de ouf sur les réseaux sociaux, donc merci. Voilà, merci. Vous êtes plus de 2500 alors que ça vient même de commencer. Ça vient à peine de commencer, donc. Comme le public ce matin, vous êtes au top. Il y avait des gens, la course commence à 9h, les gens étaient là à partir de 5h30. Il y a des personnes qui étaient là à partir de 5h30. On est presque à l'ouverture d'un Apple Store, quoi. Ils sont pas encore. Il y en a qui ont fait nuit blanche d'ailleurs pour venir. Bref, il y a des barjots toujours. Et franchement, bah, respect à eux parce que ça fait plaisir d'avoir une communauté comme ça, aussi fan, aussi enjouée de venir nous voir. Bref, je pense que vous en avez marre un petit peu de voir ma tronche, mais vous n'allez pas tarder à aller faire un tour sur la piste, le temps de régler les petits soucis mécaniques. J'en profite, merci pour tout. Voilà. L'objectif de l'équipe 21, il y en a qui arrivent et qui n'étaient pas là ce matin, c'est de se dire, il y a une question qui a été posée ce matin sur le live par un viewer qui disait, mais pourquoi on passe pas à la télé? Alors effectivement, pourquoi on passe pas à la télé? Il y a plusieurs raisons, mais il y a d'autres raisons, ce qui fait que... On peut certainement avoir une compétition qui passe à la télé, c'est sûr et certain. En plus, je suis persuadé qu'on puisse le faire en direct. Entre nous, je pense pas qu'on puisse faire un top 32 en direct. Je pense qu'on puisse faire un top 16 réellement en direct à la TV. Mais ça n'empêchera pas d'avoir un top 32 sur YouTube avant. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, tout ça est possible. Et du coup, il a lancé l'opération ce matin. Ce matin, on a fait une petite dédicace à Julien Febro sur Canal+, qui est animateur de la F1. Il nous a répondu d'ailleurs. Si vous allez voir sa story, il embrasse toute la communauté. Donc merci à vous, parce que c'est grâce à vous. Donc il embrasse toute la communauté Drift qui le suit, qui lui envoie un message. Et donc hashtag équipe 21. Et du coup, CFD à la TV. Voilà. CFD à la TV, on essaie d'avoir le même. Voilà, CFD, parfait, je vois que vous êtes au top comme d'habitude. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je profite qu'on a un temps mort, moi c'est que du bonheur pour échanger avec vous. En tout cas, on est sur le round numéro 5. Qu'est-ce que je peux vous dire sur la piste? Elle fait 410 mètres, si mes souvenirs sont bons, si je me souviens bien, 410 mètres, vous avez 5 clipping points. Les clips, c'est ça. Aujourd'hui, un petit peu particulier, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez vu que j'ai pas ma cabine habituelle, là je suis dehors, dans pas longtemps il devrait y avoir le soleil. Et du coup, derrière, on a un joli clipping point de notre partenaire Exis. Et ces clips-là, souvent, ici à Calmont, c'est un petit peu plus compliqué vu qu'il y a la barrière d'un côté et il y a le fossé de l'autre. Donc c'est un peu plus compliqué de les mettre, pardon, je vais réussir à m'exprimer correctement. Mais en général, en bord de piste, ceux-ci sont placés à 1 mètre du bord de piste pour avoir un repère visuel en fait pour les pilotes. Ça leur permet de savoir où se situe le clip et après, théoriquement, d'aller le chercher. C'est pour ceux à qui ça paraît plus ou moins simple. J'ai mis de la crème sur mon crâne. Non, j'ai mis la casquette Exis. Voilà. Mais on va mettre quelque chose pour se couvrir d'ici pas longtemps parce qu'il va y avoir effectivement du soleil. CFD à la TV. Alors il faut tout accrocher. CFD à la TV, il faut tout accrocher. Pour qu'un hashtag soit pertinent, en fait, il faut que tout le monde écrive le même. CFD à la TV. Il faut tout accrocher, pas faire d'espace, parce que c'est plus. Après, c'est juste l'hashtag CFD, ça nous fait plaisir aussi, hein, d'ailleurs. le public, ils sont comme des ouf derrière. Hein. Vous les entendez d'ailleurs sur le live? Je check un peu les coms ici, mais je sais pas si vous les entendez. Dites-moi si vous les entendez ou pas. Enfin, je parle du public. Hein. Théoriquement, si vous l'entendez pas, c'est qu'à mon avis, c'est qu'ils sont en train de retirer une caméra, je pense. Qui a bugué comme par hasard à la reprise. Ça... Pourquoi il y a. Que un round cette année, il n'y a pas qu'un round cette année, hein, on est déjà au cinquième round. On est déjà au cinquième round et il y aura la finale au Val de Vienne d'ici quelques semaines. Ah oui, on entend à fond, merci, ben merci Loïc, ça c'est cool. On veut Etienne n'est pas loin, hein. Etienne n'est pas loin. Je sais pas s'il passe dans l'après-midi, c'est avec plaisir. Hein, s'il a envie de passer me voir, c'est avec grand plaisir. Et il faut laisser se reposer. Peut-être qu'un jour, posez-lui des questions. Demandez-lui à Étienne sur Secom quand est-ce qu'il vient à mes côtés un de ces jours, peut-être, qui sait, peut-être qu'il aura envie de venir s'amuser avec moi et avec vous bien sûr pour commander une course. On a vu qu'il était vraiment pas mauvais, hein. On l'a eu quelques minutes avec nous au Val d'Argenton et déjà il est chaud, il connaît,
Il y a moyen. Mais bon, après, il faut le convaincre, quoi. C'est pas moi qui vais le convaincre, c'est vous, hein. PSR en force, bien sûr, joli. Toujours équipe 21. Merci, les amis. Ouais, vous pouvez le bombarder, ça c'est cool. Ça, c'est cool. Pourquoi il n'y a qu'un route cette année? Toujours la même question qui revient. Mais non, il n'y a pas qu'un route cette année. On a Calmont. Il y a eu, bien entendu, les deux premiers routes. Ah, ça y est, c'est une bonne nouvelle pour vous. Si le graphique atterrit sur notre écran, c'est toujours moi, Tom Fernand. N'hésitez pas à me rejoindre sur le live du championnat de France de Drift sur Facebook et sur YouTube. Les juges, vous en avez parlé, vous avez Billy et Nuno. Mais vous avez aussi Graziano, qui est responsable. Billy, voilà, Billy et Nuno. Graziano, qui est responsable de la télémétrie. On peut envoyer, hein, ça, il n'y a pas de problème sur les graphiques. On va présenter la piste brièvement et les règles brièvement. La piste, elle s'affiche face à vous. Et le directeur de course, toujours Romain Fournier. Romain Fournier, toujours là depuis pas mal. Regardez le monde. Il y a encore un petit peu de place sur la deuxième butte, je crois. Mais après, il faut se méfier parce qu'il y a les angles de vue qui ne sont pas forcément optimaux. Alors, on est sur un Touguay. Eh oui, un Touguay, c'est un dénivelé de 8%. Donc, c'est une colline qui monte. On a un flanc de colline. Difficulté 5 sur 5. Bah, c'est l'une des plus dures courses du championnat. Il y a 5 clipping points. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la piste fait 410 mètres. Les règles. Et il y a des nouvelles règles qui arrivent. Les nouvelles règles, c'est parce que on est en battle, forcément. Donc, les battles, c'est une nouvelle composition de piste. C'est un duel en un contre un en élimination directe. C'est un pilote qui va affronter un autre pilote sur un même tracé. Les règles, je vais vous les expliquer. Si elles ne s'affichent pas, il n'y a pas de problème. Ça veut dire... Moi, j'ai eu le retour audio d'un coup, là. Ça veut dire que le son, le micro ambiant était claqué. Et du coup, il était remplacé. Vous entendez ça? Vous entendez? C'est fou. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt? Je vous laisse profiter. Je vous laisse profiter. C'est des tarés à Calmont. Allez, on peut aller à la start. Alors Calmont, est-ce que vous êtes chaud pour la première? Est-ce que vous êtes chaud, Calmont? Étape départ pour l'ouverture du top 32. Jason Bannet qui est leader face à Alexandre Lemaire. Et top départ, top déclenchement pour Jason Bannet. Alexandre Lemaire qui accuse un petit peu le coup sur ce déclenchement. Attention, la caméra ici qui filme le clipping numéro 2. Ensuite, on enchaîne le clipping numéro 3. C'est très rapide. Alexandre Lemaire qui est obligé de couper un petit peu les trajectoires pour suivre l'avion de chasse piloté par Jason Bannet. Qui termine assez facilement. Oh là, ça commence déjà très fort. Ce qui va se passer, c'est que les pilotes vont monter une fois. Ils font demi-tour le plus rapidement possible. Bon, c'est pas le cas pour Jason qui est parti refroidir un petit peu plus loin, mais il va revenir, j'en suis sûr. On fait le temps du replay, on profite un petit peu du replay pour voir ce qui s'est passé et les pilotes en profitent pour redescendre, s'installer en start line et après on prend les mêmes et on recommence. La seule chose qu'on fait, c'est qu'on change les pilotes de position. Alors cher public, comment ça se juge ce sport? Parce que je vous ai parlé des juges, il y en a trois, mais c'est très simple. Ce matin, en tout cas, vous avez découvert les qualifications. Le but des qualifications, c'est de suivre la ligne, d'aller le plus vite possible, avec le plus d'angle possible, sur une trajectoire définie. Et cette trajectoire, elle est définie par les points de passage que l'on appelle les clipping points. Ce sont les carrés blancs qu'on voit sur notre écran actuellement. Et les carrés blancs dessinés sur le goudron, vous voyez si vous êtes dans le public. Le leader, lui, doit faire son maximum pour respecter la trajectoire qualification. Viser les 100 points, en fait. La totalité des points sur une qualification, ça serait 100 points, idéalement. Quant au suiveur, lui, il a un autre rôle. Il doit obligatoirement prouver au juge qu'il est meilleur que le leader, mais sans pour autant le doubler. Il n'a pas le droit de doubler son adversaire. Il doit coller son adversaire, qui est leader, et donc idéalement garder le maximum de proximité, avoir des transitions synchronisées, si possible bien sûr, et avoir la même ligne. C'est-à-dire que c'est bien beau de coller son adversaire si on coupe toutes les trajectoires, c'est pas forcément très bon. Avec une bonne ligne, là, c'est toujours possible de faire de belles choses. On va peut-être voir ça avec le run numéro 2, donc Alexandre Lemaire cette fois-ci qui passe en tête.
Oh là 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 là, la proximité! La proximité de Jason Bonnet! Door to door! Aïe aïe aïe, c'est pas facile. Les résultats vont être donnés face au public. Les pilotes rejoignent Bob pour annoncer les résultats donc. Il se peut que les juges demandent un replay, ça peut arriver. Là on a la chance d'avoir les caméras, les drones. Allez, on attend juste le résultat dans une poignée de secondes. Victoire, Jason Bonnet. Jason Bonnet qu'on va retrouver pour une autre battle en top 16. Les pilotes regagnent tranquillement la start line. Et on va récupérer les boîtiers télémétriques sur les véhicules. Et on va passer à la battle suivante qui va opposer Arnaud Van der Merch face à Nuno Pinto. Donc le duel d'une Nissan contre une BMW 30. A savoir que Nuno Pinto a le double de cylindres que Arnaud. Arnaud, il est sur un 4 cylindres turbo. Donc là, Arnaud, c'est la Nissan S14 blanche. Vous voyez qui est en train de bouger sur notre écran, qui est en train de s'installer sur la ligne de départ. Et Nuno, lui, il a le 30 V8. 430 chevaux. Les deux puissances se valent. Hein. 430 chevaux pour Nuno, 400 pour Arnaud. Mais il y a quand même 4 cylindres de plus. Et top départ. Ouais, je vous ai entendu sur les réseaux sociaux, j'ai compris. Le son était un petit peu plus faible que ce matin, donc on va régler un petit peu ça. Je pense que c'est le changement de micro. Moins de son de public, ça va être compliqué. Ah là, là, ils sont tellement chauds, on peut pas faire moins. Les replays by Zeknova, ils sont là. Donc on avait un Nuno Pinto qui était un tout petit peu plus en retrait sur ce run que Jason Bonnet a été sur le run précédent, bien entendu. Peut-être surpris par la vitesse d'Arnaud, leader sur ce run avec la Nissan S14. Assez rapide quand même, avec seulement 400 chevaux. C'est une bonne chose. Oui, France vs Portugal, effectivement. Ouais, Nuno, il est un petit peu français quand même. On est toujours sur les hashtags, hashtag FKIF21 et hashtag CFD à la TV. Merci les amis. On voit les banderoles de nos partenaires. AutoWeb, agence de communication sur 360 degrés, elle peut gérer toute votre communication de A à Z. Exis, les boissons énergétiques qui sont très présents sur l'événement ce week-end. Bien entendu, il y a EVO, spécialiste de la mise en vente de vos véhicules en ligne. On a aussi AST by Jacob Sport, les arceaux de sécurité faits sur mesure en 3D
avec une modélisation 3D de l'intérieur de votre véhicule. Et Nuno Pinto, Arnaud Van Der Meer, cette fois-ci c'est Nuno avec la E30 verte V8 qui prend le lead. Précédé malheureusement pas de vœux par Arnaud qui va essayer de remonter peut-être encore un petit peu la trage. Non, mais en tout cas il suit la ligne, c'est une bonne chose aussi. Énergie, dernier clip, numéro 5. Oh là 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 là, il m'a fait peur Arnaud derrière, il sort très large. Il m'a fait un petit peu peur. Je sais pas s'il a touché ou pas. J'ai un petit doute. À votre avis, il a touché Arnaud sur la derrière? À vos coms? Je suis pas sûr. Un petit peu de retard effectivement Arnaud, je trouve, au départ il s'est un petit peu laissé embarquer par Nuno. Après il y a aussi l'appréhension de la battle, hein. c'est compliqué d'aller chercher la proximité, il faut y aller le couteau entre les dents. En tout cas les juges vont donner leur résultat, il est en faveur de Nuno Pinto. On reviendra sur certaines explications. Là, on a clairement vu un Nuno un petit peu plus agressif quand même sur le run numéro 2 et plutôt bien sur sa ligne. Et Arnaud, bien sur la ligne, mais quand même largement moins agressif. Enfin, pas mal de retard sur le début de tracé. Si on arrive sur des battles un petit peu plus mitigées, je demanderai bien entendu l'avis à l'un de nos juges, à Billy, pour revenir un petit peu sur le résultat, pour nous expliquer un petit peu ce qui se passe. Regardez-moi ce monde là, j'ai jamais vu autant de monde à Calmont, jamais. Et c'est au tour de Jérémy Mérires à se présenter sur la ligne de départ contre Nicolas Jouard. Jérémy, bien entendu, est sur votre gauche. Hein. Au départ, il va s'élancer en tant que leader. Au volant de la BMW E92, grise et blanche. Aux couleurs BMW, couleur Banescore. Et Nicolas Jouard, lui, là, c'est pas mal pour l'instant. Bien engagé cette première partie de tracé pour. Là, il a le feu, Nicolas Jouard, sur cette première partie de tracé. Il lâche pas la corde avec. Avec Jérémy Mérires, c'est un beau travail de la part du pilote de la BMW 36 Compact. Ouh là 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 là! Et Jérémy Mérires qui arrache le pare-choc sur la ligne d'arrivée et qui le laisse gentiment manger par le suiveur. Le pare-choc a effectivement pris son indépendance tout à l'heure d'ailleurs, mais j'ai pas vu le choc de justement de la prise d'indépendance du pare-choc. On va le revoir sur le replay by Isaac Nova. Ah oui, il est là. Il a fait un bon kiss en fait. Il a fait un très bon kiss. Ça a très peu changé la direction de la voiture. On a Nico Jouard qui s'est arrêté de drifter au dernier moment parce que il avait peur à mon avis d'avoir le pare-choc sous la voiture. Il a roulé doucement, il s'est aperçu qu'il n'avait pas la voiture, donc il a continué à rouler tranquillement.
Et c'est parti, run numéro 2, Nicolas Jouard, Jérémy Mérias. C'est pas si Jérémy, il a eu l'info. Hein. Il a pas le choix d'attaquer sur Nicolas Jouard. Ouh là 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 là, ça déjà approche. Attention à pas trop se laisser enfermer et pas trop jouer au yo-yo avec, avec la voiture. Ouh la ligne est un petit peu élargie pour le suiveur ici, Jérémy. Super passage de Nicolas Jouard. Très beau passage d'ailleurs des deux pilotes. Ça va être serré. Pas mal de casse hein, pour Jérémy Mérias. Hein. Il a eu beaucoup de casse ce week-end. Cardan, pont, trop de motricité sur ce véhicule et malheureusement les trains roulants qui suivent pas. Il y a moyen, effectivement, il y en a qui pensent qu'il a cassé quelque chose. Pas encore quand même. Je les vois pas faire demi-tour, je les vois pas arriver sur la start. Ah, il revient en marche arrière, ça c'est pas le plus rassurant, j'ai envie de dire. C'est pas le plus rassurant. Hein. Bon, au moins il revient, c'est déjà ça. Il y a Bob qui vient prendre l'information, je pense. Attention, parce que après c'est pas grave s'il penche la barrière, je veux dire il a l'habitude, c'est pas. Ah, il veut la caler sur la barrière. Voilà, il l'a garé, c'est bon. C'était l'objectif apparemment. J'espère qu'il n'a pas une perte de frein. Voilà. On va essayer d'avoir le résultat comme ça. Nicolas Jouard au top, parfait. Et on a les notes qui tombent sur le live. Attention, c'est une victoire de Nicolas Jouard. On applaudit bien fort Nicolas Jouard. Jérémy, t'as cassé quoi? La transmission, d'accord, ok. Bon, bah écoute, level up pour la dernière manche pour la finale championnat de France de Drift. Travailler sur une nouvelle transmission, à mon avis, ça va pas faire de mal. Écoutez, la M3 a fait deux saisons en une cette année. Elle a du mal à faire la saison cette année, l'année dernière, pardon. Elle a fait deux années en une. Cette année, elle a un petit peu du mal sur cette saison-là, mais c'est pas grave. Je suis sûr qu'ils vont trouver des solutions au moins pour la finale. Donc c'est Nicolas Jouard qui va en top 16. Et Phil Despas, donc on peut applaudir aussi Phil, on peut l'applaudir. Merci Marc pour le hashtag, pour les hashtags équipe 21 et CFD à la TV. C'est cool ça, c'est le hashtag de l'après-midi ça. Regardez-moi ce monde, ils sont... Plus de 3000, il y a plus de 3000 personnes présentes ce week-end. C'est la jauge, 3000 jours. Et oui, on vous voit sur les caméras. On vous voit tous. Levez les bras là, calmons, qu'on vous voit un petit peu là. Voilà. Aïe. Je pense qu'on va attendre que Jérémy se fasse dépanner. Ah oui, la dépanneuse est dû aller faire demi-tour. D'accord, très bien, je comprends. J'ai pas besoin d'aller chauffer. Pas besoin d'aller chauffer actuellement. Y a pas besoin. Et on analyse le départ de Phil Despanne qui passe sur le côté droit du véhicule. Côté droit du véhicule, attention, il se penche, qu'est-ce qui se passe? Ouh là là, la benne qui se penche, qu'est-ce qui se passe?
un peu trop enjoué ça quand même. C'est un peu trop surjoué je pense pour l'action. Mais... Ah écoute, c'est pas l'action la plus rapide du championnat, mais c'est pas grave. La voiture part sur des padeuses. Il y a beaucoup de passages ou pas pour le top 32. Nathan Bourguin qui nous demande s'il y a beaucoup de passages pour le top 32. Alors pour le top 32, il y a 32 passages. En termes de passages, il y a 16 battles. Vu qu'il y a deux passages par battle, ça fait 32 passages. C'est pas la première fois qu'il se fait dépanner par Phil, je crois, effectivement. Jérémy. Mais écoutez, c'est pas grave. Profitons-en. J'en profite hein, dans ces temps morts. N'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur. Là, je suis sur YouTube. Vous êtes plus de 4200 sur YouTube en direct. Donc, merci à vous. Et sur Facebook aussi, Championnat de France de Drift. J'ai deux trucs à vous faire faire la commu aujourd'hui. La première, c'est le hashtag CFD à la TV et le hashtag et l'équipe 21, merci. Enfin, équipe 21, bien sûr. Et le deuxième, c'est aller liker Drift France sur Instagram. On est à deux doigts de devenir la plus grosse communauté en sport, en championnat, quoi, de championnat national. Donc, merci, quoi. Tom, tu mondes quand il y a une voiture de... J'ai pas la question, je suis désolé. Bravo à Phil Despagne. Bien sûr, bravo. Interview de Phil, ce soir, peut-être. Alors, Jordan Pelosa, il y en a qui se posent la question. Jordan, il passe de l'autre côté du tableau. Donc, quand on peut pas te le donner l'information, quand même. En tout cas, il passe sur la deuxième partie du tableau des top 32. Allez, la voiture qui grimpe doucement sur la dépanneuse. C'est bouffou. Top galère. Ouais, effectivement, on peut appeler ça top galère. Allez, deux pare-chocs. Il est en train de dire qu'il a tout saboté. On t'entend, Jérém, sur le live. Hein. Je sais pas, t'as un petit coucou à faire au public sur le live, Jérém ? On t'entend. Non mais... D'accord, très bien. Bah, écoute, je voulais que tu passes un bonjour à tes followers sur les réseaux qui te regardent en ce moment. Mais là, il a les mains sur le pare-choc. Et... Ils sont dingues dans le public. Et un petit coup de klaxon de Phil Despagne, hein, retour quand même, merci. Un petit coup de klaxon de Phil Despagne. Et on va pouvoir lancer la suite du top 32. Parce que c'est pas le tout ça, mais ça nous met un petit peu en retard. Équipe 21, merci Zidi Notap. Il spam. Je crois que 3 spams ça suffit. Enfin, si tu marques exactement la même chose. Étienne au micro. Il y en a pas mal qui demandent Étienne au micro. J'ai remarqué, effectivement. Ouais. Envoyez la suite, bon Dieu. Ben oui, la suite, elle en verra. Malheureusement, on est sur une piste qui est. Ah. Fuite des pannes. La suite, elle est là. Elle est là maintenant sur notre écran. C'est Nicolas Dufour et Jérôme Bourgoin. Allez, l'autorisation est donnée. Regardez le startliner qui prend l'information auprès des pilotes pour savoir s'ils sont prêts. Enfin prêts. Et c'est reparti. Du coup, Nicolas Dufour qui est leader face à Jérôme Bourgoin. Un duel de BMW 30. Nicolas Dufour, hein, c'est celui qui est avec la BMW noire et blanche. Jérôme Bourgoin, le suiveur avec la BMW orange. Thank you.
validé pour les deux pilotes. Un petit peu, voilà, c'est validé, les lignes sont bonnes, plus important. Après, on n'a pas une proximité démentielle pour le moment. Ouais, on va voir ça, déclenchement de Nicolas Dufour, suivi avec une belle synchronisation, je pense, à tout petit peu de retard sur la synchronisation, transfert clip 3. Clip 4, il accuse un petit peu le coup, très rapide quand même, hein. Très rapide Nicolas Dufour, très très rapide avec cette auto. Et du coup Géraud à la fin du circuit qui prend un petit boulevard. Alors non, chauffe au micro avec moi, c'est une mauvaise idée. Je le connais trop le garçon depuis longtemps pour savoir que c'était pas une bonne idée. On va se faire strike YouTube direct, c'est sûr, on va se faire strike direct. Mais s'il veut venir 5 minutes, on lui proposera de... S'il n'est pas loin d'ici, je lui proposerai de venir s'installer 5 minutes avec moi, avec grand plaisir par contre. Il y a un deuxième micro qui est juste là. Est-ce qu'il passe Phil ? Il passe de partout Phil. Allez, top départ pour run numéro 2, ça fait du bien, c'est reparti. Nicolas Dufour un petit peu moins loin que Jérôme Bourgoin sur ce run numéro 2. Bien entendu, il n'y a pas que la proximité du jeu. C'est la chose la plus facile à commenter, c'est la proximité, mais il y a énormément de facteurs qui rentrent en compte. Mais en tout cas, on peut dire que les deux trains se battent bien sur ce tracé. Et l'annonce des résultats va arriver. Il y en a qui sont chauds. Hein. Beau déclenchement en tout cas Nicolas Dufour, c'est très rapide. Pareil pour la première partie de tracé, ça se passe bien pour les deux pilotes. Transfert clip 3 et là il commence à motriser pas mal notre ami Nicolas Dufour. Il y a peut-être une petite correction ici à valider avec les juges. Enfin, on verra ce que pensent les juges là-dessus, mais c'est assez serré, du coup je reviendrai auprès de Billy pour expliquer les résultats du coup. Ils ont probablement demandé un replay. Et c'est une victoire de Nicolas Dufour. Billy, je te laisse revenir un petit peu sur cette battle, s'il te plaît. Oui, bien sûr, Tom. En fait, la différence, elle est au niveau du run de Nicolas Dufour quand il est suiveur. En fait, c'est un bien meilleur suiveur que Jérôme Bourgoin. Hein. En leader, ils respectent tous les deux leur ligne qualif. En suiveur, et ben Nicolas Dufour, il respecte la ligne du leader. Alors que Jérôme Bourgoin, il a tendance un petit peu à couper les trajectoires pour garder la proximité, notamment sur le clip numéro 5. Il est complètement intérieur, il n'est pas du tout sur la ligne de Nicolas Dufour. Donc forcément, il a perdu des points, notre ami Géraud. Ok, merci, merci pour ces infos, Billy. Benjamin Racine maintenant et Florent Mathieu. Benjamin Racine qui signe une magnifique quatrième place au qualif. Il sera opposé à Florent Mathieu. Ça sera un duel de Nissan, une PS13 contre une S13. La S13 rouge, la Nissan rouge hein, qui est à droite de votre écran, c'est Florent Mathieu. Donc un V8, LS3, 500 chevaux et
sur la PS13 qui est verte sur votre gauche, pilotée par Benjamin Racine. C'est un RB25, voilà, c'est un 6 cylindres en ligne turbo. Si on veut partir un petit peu dans les détails, top départ pour les deux Benjamin Racine, top déclenchement. Et là, il a juste à faire son boulot, il l'a très très bien fait pendant les qualifs. Donc il faut continuer comme ça, le transfert, très très bonne ligne de la part du pilote de la PS13. Oh là là, la ligne est vraiment belle. Encore Mathieu qui suit la cadence derrière. Maintenant à peu près toujours la même proximité tout au long du tracé. Le replay by Zeknova, le retour du déclenchement toujours très 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 beau, très incisif. Hein. Benjamin Racine sur cette première partie du tracé. On a un Florent Mathieu qui coupe un petit peu la ligne au début pour essayer de garder la cadence. À la fin, il ne coupe pas la ligne, il arrive à suivre cette même cadence sans couper. Peut-être un peu loin du dernier clip. Oui, c'est normal, la qualité moindre sur le drone. Oui, c'est effectivement parce qu'il y a énormément de monde qui ont des téléphones et ça brouille naturellement les transmissions. Il y a 3000 personnes rassemblées au même endroit, si tu veux, donc forcément les ondes passent un tout petit peu moins bien. Allez, changement de place pour Florent Mathieu et pour Benjamin Racine. Allez, Benjamin Racine qui doit un petit peu plus chercher la proximité ici, c'est pas mal, le transfert est joli. Hein. C'est très difficile hein, d'anticiper les transferts, d'anticiper les lignes. Oh, c'est joli en tout cas ce que nous donne là Florent Mathieu aussi. Top 32 toujours avec le run numéro 2 effectué pour les deux pilotes et on attend le résultat. Est-ce que c'est une victoire sans appel? Victoire de Benjamin Racine, félicitations. Sans victoire sans appel, il y a voilà, la ligne qui est bien meilleure sur le run numéro 1, on va pas se mentir. Il a réussi à maintenir un peu plus de proximité sur le run numéro 2. Il a su faire la différence. Et on le retrouvera donc en top 16, Benjamin. On le retrouvera soit contre Benjamin Bulbes, soit contre Armindo Martins, le pilote portugais. Voilà, Benjamin Bulbes qui est moins bien qualifié que Armindo Martins. Du coup, va s'élancer en tant que suiveur. Et top départ, un gros duel. Il y a 2200 chevaux sur la piste. Il y a plus de 2000 chevaux sur la piste, étape départ. Très rapide en tout cas Armindo. Attention Benjamin, il ne s'attend peut-être pas à ce que le pilote portugais soit aussi rapide. Il arrive à remonter
sur le clip 3. Clip 4, il vient plonger ici et un petit peu loin de la ligne sur le clipping numéro 4, clipping numéro 5. Un pilote portugais qui prend large un petit peu sur cette fin de tracé. Alors, si vous posez la question, après la ligne d'arrivée, la synchronisation n'est pas ne compte pas, hein, c'est pas. Le demi-tour ne compte pas. C'est valable qu'à Calmont, donc forcément. Bien les deux V8 passés devant les micros ambiants, les micros caméras, la micro de la startline. Voilà. Avec le, vous entendez le sifflement là, ça c'est le compresseur si mes souvenirs sont bons. Ou la boîte peut-être, c'est peut-être la boîte séquentielle. Donc du coup c'est de la pignonnerie droite et je pense plus à la boîte d'ailleurs. Du coup. Cette fois-ci, on prend les mêmes pilotes, on recommence, mais comme vous l'avez vu, on inverse les positions. Et bien entendu, il faut voir ça deux fois pour comprendre, pour analyser qui est le meilleur des deux. Et on va voir peut-être sur ce run numéro 2 qui est le meilleur, qui passe donc en top 16. Face à Benjamin Boulbès, leader multiple champion de France en titre face à Armindo Martin. Vainqueur du dernier round, de la dernière manche au Portugal. Ouh là là, et belle proximité du pilote portugais. S'il réussit à maintenir tout ça, ça sent. Oh là 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 là, ça va très vite, attention, il a failli arriver jusqu'au contact, il rattrape ça jusqu'à la dernière minute. On a failli avoir un beau contact sur la fin du tracé là. Le contact d'ailleurs n'est pas éliminatoire. Le contact, s'il ne perturbe pas le pilotage du leader, il n'est pas éliminatoire. Déclenchement en deux fois peut-être pour Armindo Martin au début. Elle a le feu là, oui, bah, toutes les deux, tous les deux des véhicules de plus de 1000 chevaux, donc ils ont forcément le feu, avec les radiateurs déportés à l'arrière. Et c'est une victoire d'Armindo Martins. Le pilote portugais passe donc en top 16, Billy, je vais te laisser un petit peu revenir sur cette battle là. Ouais, bah c'est sans surprise, Tom, hein. On a vu que Armindo était un bien meilleur suiveur que Benjamin Boulbès sur ces deux runs, hein. On peut le voir sur le replay, sur le premier run où il est leader, Armindo, et bah il part, Benjamin coupe les trajectoires pour essayer de garder de la proximité, mais il a du mal quand même à garder cette proximité malgré qu'il mette moins d'angle et qu'il coupe un petit peu les trajectoires. Donc pas une très très belle ligne pour Benjamin Boulbès. Et sur le second run, et ben Armindo a fait le job derrière. Il a appris des erreurs qu'il a fait dans le passé. Il a su gérer son adhérence et sa vitesse et s'est canalisé. Il a réussi à se coller à Benjamin Boulbès et à suivre sa ligne jusqu'en haut. Hein. Sur le clip numéro 5, peut-être une petite frayeur là. On voit qu'il a. Il s'est approché à peu près, il a relâché les gaz, ouais, c'est vrai. Et il a remis les gaz, tout en restant dans la ligne. Franchement, chapeau Armindo. Il aurait pu faire la grosse erreur à ce moment-là. Exactement, il aurait pu tout perdre à ce moment-là, mais il a réussi à bien se contenir. Très bien, merci Billy. C'est parti donc pour la battle suivante. La battle suivante, elle fait mal, la battle suivante en termes de bruit, en termes d'image, en termes de style. C'est Mathias Locatelli et Frédéric Ouivet. Mathias Locatelli qui est leader. Et Frédéric Ouivet au volant de la Skyline qui est suiveur. C'est parti. Le top départ. Oh, y a Frédéric, il a la Niac aussi. Très rapide, toujours aussi efficace. La BMW 92 pilotée par le pilote grenoblois.
Oh là là, ça va très 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 vite. Toujours aussi efficace. En tout cas, les deux pilotes là, c'est aussi Frédéric. Il est impressionnant parce que j'ai l'impression qu'il y a une évolution aussi en permanence de sa part sur les battles. C'est une technique particulière, les battles. C'est pas un tandem entre potes qu'on fait sur un circuit ouvert. Là, c'est vraiment un duel, quoi. Bien entendu, vous êtes super nombreux et je vous en remercie toujours autant. Donc, et n'oubliez pas une chose, si vous aimez, c'est qu'il y a d'autres personnes qui peuvent aimer. Donc n'hésitez pas à partager le live sur vos réseaux à vous. Run numéro 2, c'est parti. Donc on va prendre l'information auprès des pilotes. Hein. Alexandre, qui est le startliner, prend l'information pour savoir si les pilotes sont prêts. Il a bien entendu, il attend l'information dans ses oreilles pour savoir si la piste est claire, comme on dit. Et top déclenchement pour Frédéric Huet qui prend déjà un très bel angle sur cette première partie de tracé. Mathias Lequetil qui va devoir suivre la cadence face à Godzilla sur ce clipping numéro 3, clipping numéro 4. Intérieur ici, la ligne est parfaite pour les deux pilotes. Ils sont en parfaite synchronisation avec une très belle distance ici. Se décaler, se recoller avec plus d'angle même jusqu'à la ligne d'arrivée. Wouh! Pas mal, le déclenchement de Frédéric Louvet est assez impressionnant quand même, il a un très bel angle. Ça surprend, je pense, un petit peu Mathias au volant de la BMW. Il est tout petit peu surpris au déclenchement sur l'angle qu'a pris le leader. Je pense que les juges ont demandé des replays toujours pour analyser et pour juger plus finement, hein, tout simplement. Et c'est une victoire de Mathias Locatelli. Mathias Locatelli, on peut aussi féliciter quand même Frédéric Huet, on peut l'applaudir aussi quand même. Bravo Frédéric. Sa première année en pro promet, je pense, pour la suite, il y a un bon potentiel. Sofiane Yazid est à l'arrière de Geoffrey Jouan. Par contre, il va s'élancer en tête sur la run à venir. On place rapidement, très rapidement en équipe les véhicules, caméra et boîtier télémétrique.
Les boîtiers télémétriques, pour ceux qui découvrent la compétition, qui ne connaissent pas, c'est des boîtiers qui sont placés à l'arrière des véhicules, qui nous donnent un peu toutes les informations sur le véhicule. La vitesse, l'angle exact de la voiture, la position parfaite sur la piste, bref, toutes des données pas forcément faciles à analyser à l'œil nu. Top déclenchement, Sofiane Yazid aussi, toujours généreux sur son déclenchement. Geoffrey Jouan, qui est un petit peu dans la fumée là, qui accuse le coup derrière, il est un petit peu en retard. Il va falloir faire attention sur le run numéro 2, Sofiane Yazid toujours aussi... Oh là là, le crash! Désolé, je vous ai explosé les oreilles, je pense que c'est le crash de Geoffrey Jouan qui est venu s'exploser contre la barrière. La voiture qui a décollé des roues arrière au moment de l'impact. J'espère que ça va, il faut aller se renseigner, les commissaires, voilà, j'ai le commissaire, j'espère que ça va, parce que c'est assez impressionnant là. On va revoir ça sur le replay dans deux secondes. La première partie de tracé, ce qu'il y a c'est qu'il accuse le coup en fait Geoffrey derrière, il est suiveur, il s'aperçoit qu'il perd beaucoup de temps, alors il essaye de remonter. D'ailleurs, il a failli se faire un tout petit peu avoir ici, là. Il a un petit peu trop extériorisé. Donc, on a un Sofiane Yazid qui est beaucoup, beaucoup plus loin. Il lèche la bordure, Sofiane. Et là, Geoffrey derrière, impact. Tête à queue. Oh là 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 là. Ça a tapé fort. Hein. Vraiment, ça a tapé très fort. Yes, alors ce que je vous propose c'est le temps de dépanner la voiture, on va se retrouver après une courte pause de publicité, le temps de récupérer la voiture. À mon avis, même après la pub, on sera toujours en train de la récupérer sur le plateau, donc on se rejoint dans quelques instants, à tout de suite les amis. De retour, donc suite à cet accident de Geoffrey Jouan, j'espère qu'il va bien. Hein. Il s'est sorti de la voiture assez rapidement avec la battle contre Sofiane Yazid. Sofiane Yazid, on va le revoir là sur notre écran. Merci pour les replays by Zeke Nova. Tout le début de tracé a l'air de bien se passer, à part que il accuse un petit peu le coup fin de tracé. On voit Sofiane Yazid qui s'envole. Il est très rapide et Geoffrey Jouan qui un tout petit peu en retrait. Sofiane est ultra rapide et là le contact. Ouf, voilà, ça tape. À chaque fois que je revois, je trouve que ça tape très fort.
Est-ce que tu peux me la mettre au ralenti, s'il te plaît? Ouais, voilà, je vais l'avoir au ralenti là. Ah non, j'ai pas le boss. Le moment que je voulais avoir au ralenti, c'était la fin, mais c'est pas grave. Ah. Bon, Geoffrey, ça, Geoffrey, lève la main si, pour nous dire que tout va bien. Ah non, il est en train de conduire là. Il est en train d'installer la voiture. Je pense qu'elle sautille, donc forcément, il y a des trains de cassés. Il n'y a pas que des trains de cassés. J'allais dire comment va la barrière, mais c'est pas forcément pertinent. Je trouve que c'est un peu moyen même de dire ça. Non, c'est pas la pub. Non, c'est pas la pub. Toujours pas. Merci. C'est le doigt qui rime dans la régie. Attends, je vais le voir. On peut applaudir s'il vous plaît, Geoffrey Jouan, pour le motiver un petit peu, pour le Geoffrey. Voilà. On peut applaudir Geoffrey qui nous a fait une belle frayeur là. Qui doit pas être dans un bon mood entre nous. Hein. Il doit pas être dans les meilleures conditions. Donc si on peut lui apporter un petit peu de chaleur, ça... enfin chaleur en ce moment là à 34 degrés. Ok, j'ai eu l'information du directeur de course. On a du public dans les arbres. Donc tant que les gens ne sont pas descendus, la course ne recommencera pas. C'est un peu bête. Mais ça fait partie de la sécurité en piste. On est responsable de votre sécurité. C'est pour ça qu'on met des banderoles que vous n'avez malheureusement pas le droit de traverser. Sauf, bah, regardez certains médias qui ont des... C'est pas des exceptions en fait, c'est qu'ils ont des assurances. On a des assurances pour les médias. Je vais demander sur décision de la direction de course au public qui sont cachés dans les arbres de descendre et après on pourra lancer la course bien entendu. Geoffrey qui regagne du coup la cabine du camion de Phil Deppan. Oui, des gens dans les arbres, ça choque. Oui, bah oui, non, mais il y a des gens de partout. Et il y a des gens de partout. La place est pleine. Après, il y a clairement de quoi s'asseoir de partout, de quoi s'installer de partout. Continuons, voilà, tranquillement, la descente. Du coup, bah, Sofiane Yazid et Geoffrey Jouan, est-ce qu'on a eu le résultat? Je crois pas. On a une petite idée de ce qui doit y avoir en termes de résultats. On était sur le run numéro 2. On était sur le run numéro 2. Oui, on était sur Geoffrey Jouan suiveur. Non, on était sur le run numéro 1. On était sur le run numéro 1, puisque Geoffrey Jouan était suiveur. Entre alors, il n'y a pas de mécanique entre deux runs. Donc là, on peut applaudir Sofiane Yazid. On peut l'applaudir parce qu'il passe donc en top 16. Sofiane. Et il va donc faire son run numéro 2 seul, Sofiane Yazid. Il doit être en état de repartir tout simplement. C'est cool pour lui, ça lui fait un passage de plus. Et c'est cool pour vous, ça vous fait du spectacle en plus. C'est un passage, je voulais sûr de passer, mais il faut qu'il y aille avec générosité, il a bien raison, ça nous fait plaisir. Ouh là 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 là, il s'est même fait un tout petit peu peur, il s'est repris là, il a vu arriver le mur un peu violemment.
Et oui, on peut l'applaudir, c'est le vainqueur du coup de cette battle. Rendez-vous donc en top 7, Sofiane. Merci à toi. Rendez-vous en top 16 et on passe enfin sur la deuxième partie de top 32, la deuxième partie du tableau. Alors que sur notre écran s'affiche les résultats. On voit la cabine des juges. Salut Billy et Nuno, voilà. Ils sont tout en haut, tout en haut, tout en haut. Dans la tente avec le directeur de course et directeur de course Romain qu'on embrasse et aussi Gardiano que l'on voit un petit peu là. Voilà. Le but étant d'avoir une visibilité sur tout le tracé. Run 2, c'est parti. Antoine Amar, c'est le leader de cette battle. Il va être chassé par Frédéric Adam. Un duel de Nissan face une BMW. Il va falloir aller chercher la proximité, Frédéric. Est-ce qu'il est très rapide, Antoine Amar? Très très rapide, très incisif aussi sur cette transition. On aime beaucoup voir ça. Il s'élargit un tout petit peu, Frédéric Adam. Là, il va perdre de la vitesse avant le clipping numéro 5. Il coupe complètement la trajectoire pour essayer de remonter sur Antoine Amar, mais ça ne suffit pas, en tout cas pour ce run numéro 1. Ça va très vite hein, pour Antoine Amar aussi toujours. Il joue le titre hein, de champion de France, Antoine. Hein. On est sur l'avant-dernière course du championnat de France de Drift. C'est l'avant-dernière course. Il joue les points là. Il joue les points à chaque petite... la qualif déjà, qualif 3, ça fait pas mal de points. Bien entendu, il aurait préféré se qualifier premier, mais ça fait quand même pas mal de points. Qualif... qualif 3 et en plus de ça, à chaque fois qu'il passe, que ce soit en top 32 ou en top 16, il va aller gratter encore plus de points. Attention, 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 la sortie de Frédéric Adam. Oh, il s'est mis dans le fossé. Il s'est mis dans le fossé. Frédéric, il n'arrivera pas à ressortir, je pense. Il essaye, ça bouge un petit peu, mais il arrivera. Oh, il arrive, il arrive, il arrive. Ouh. Il nous a fait une frayeur encore. J'ai le cœur qui s'est accéléré. Alors, dans cette situation-là, quand un pilote met deux roues dehors, eh ben, le suiveur a le droit de doubler. Il est showman, Frédéric. Il lâche pas jusqu'à la fin. Ah, on va revoir cet homme. Déclenchement tout petit peu large, la relance. Il y a plusieurs choses qui se passent. Il voit que sur le déclenchement, son transfert peut-être un petit peu tard. Il est un petit peu tard ou avec un peu trop de vitesse. Il voit qu'il s'élargit, beaucoup. Il voit qu'il s'élargit beaucoup, du coup il lâche les gaz, et il lâche les gaz à partir du moment où on lâche les gaz, malheureusement c'est un peu, c'est se laisser partir sur l'extérieur, j'ai l'impression que c'est ce qui se passe. Et c'est une victoire d'Antoine Amar, félicitations Antoine. Comme on l'a souvent expliqué, en fait le drift c'est un peu comme, la voiture elle se comporte un petit peu comme votre caddie quand vous faites les courses. Votre caddie si vous le poussez et que vous lâchez, je parle des caddies qui ont les quatre roues dans tous les sens là. Si vous le poussez et que vous le lâchez, bah, il va pas prendre le virage, il va aller tout droit.
si vous le poussez et que vous continuez à le pousser, c'est là que vous allez commencer à prendre le virage. Mais c'est un petit peu pareil dans le drift. Si vous lâchez l'accélérateur, la voiture elle est sur son inertie, elle va continuer sur son inertie, elle ne va pas enrouler le virage. À partir du moment où vous mettez les gaz, c'est à ce moment-là qu'elle va commencer à motricer et à prendre la courbe. Et on est tous pareils, on fait tous du drift quand on va faire les courses. Ça, c'est... Maintenant, votre objectif, c'est que la prochaine fois que vous allez faire les courses, vous prenez les clips. Alors, le clip intérieur, c'est les pommes de terre, le clip extérieur, c'est les fruits. Bref, à vous d'inventer votre parcours dans le supermarché de chez vous, quoi. Et je veux voir vos vidéos. Jordan Lapelosa, ça y est, il est là, la team PSR, face à Jérémy Germain. Jordan, la duel de 30, hein, un touring. Ouh là, là, il est sorti un petit peu large, Jordan, mais c'est pas grave, il a pas lâché les gaz, justement. Il est resté bien extérieur, il a levé 3 roues, ça va te faire de très très belles images. Il continue comme ça jusqu'au clipping numéro 5. Attention, oh là 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 là. Toujours aussi dingo. Et du coup, derrière, il n'était pas serein. Et à juste titre, d'ailleurs, Jérémy Germain, il n'était pas serein. On va revoir. Donc, zone d'élan, déclenchement, ça c'est bien. Là, il s'extériorise un petit peu trop. Il a vu une roue. Hop là, il rentre sur la piste. En tout cas, Jérémy, non, il n'a pas été, trop perturbé sur cette première entrée. Par contre, j'ai l'impression que beaucoup de suiveurs... Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais j'ai l'impression que beaucoup de suiveurs perdent de la distance au niveau du clipping numéro 4. Je ne sais pas pourquoi, ils arrivent à maintenir pas mal de distance. Ah si, je pense savoir pourquoi, c'est qu'on est sur une grosse zone d'accélération. On est sur une grosse zone d'accélération, alors s'il y a des différences de motricité, ça peut jouer. Steve et Sylvain qui redescendent. Ça, c'est des voitures spéciales pour les baptêmes. Elle sautille énormément. En fait, ça, ouais, ça va dépendre du réglage d'amortisseur. Ça va dépendre des amortisseurs qu'il a mis, du réglage qu'il a fait, du châssis un petit peu, selon s'il est plus ou moins rigide. Et run numéro 2. Cette fois-ci, c'est Jérémy Germain qui est leader. Est-ce que Jordan va se positionner correctement sur le numéro 2? En tout cas, Jérémy Germain est plutôt bien sur la ligne. Il est un petit peu intérieur. Attention, on ne va pas se laisser enfermer et éviter ce genre de petites erreurs ici. Là, on est plutôt pas mal. Le transfert ici, clip 5. Il remonte bien. Belle proximité. Belle proximité. Je suis un peu plus mitigé sur le run numéro 2. Attention, la proximité ça fait pas tout, hein. Il y a aussi la ligne en général, les corrections. Moi j'ai vu quelques corrections à droite à gauche. Là les juges, vous voyez, les juges redemandent les replays. Là pour le coup ils ont redemandé le passage numéro 2.
voit justement ce passage. Alors Jérémy Germain, c'est normal qu'il soit régulier. Je vois pas mal de personnes qui disent qu'il est régulier. Ça fait des années qu'il fait ça. C'est un des premiers pilotes. C'est un des gars, ça fait premier pilote de drift en France presque. Ça fait plus de 10 ans, même bien plus de 10 ans. Peut-être plus de 15 ans. Et c'est une victoire de Jérémy Germain. Félicitations Jérémy. Billy, je vais te laisser revenir un petit peu sur cette battle. Oui, bien sûr, Tom. Et bah écoute, il n'y a pas de grande surprise. Hein, le run leader de Billy, si tu m'entends. Oui, Tom, le run leader de Jordan Lapelosa. Alors, ton micro n'est pas activé. Hop. Là, tu m'entends ? C'est moi qui t'entends plus, je ne sais pas. Si, c'est dans le public. Ah, oui, le run suiveur de Jordan est vraiment pas beau. Il saccade, il reprend le grip au niveau du clip 3. Alors oui, il a plus de proximité que Jérémy Germain quand il est derrière, mais ça fait pas tout. Il est pas beau, on voit de multiples erreurs où il corrige, il essaye de tenir la cadence, la voiture est pas fluide, tout ça pour avoir de la proximité. En fait, c'est ça qui fait la différence. Hein. Il n'y a pas grande différence, si vous voulez. Mais la fluidité en tant que suiveur de Jordan, elle est vraiment pas belle. Déjà, rien qu'au clip numéro 1, il est hors ligne. Clip numéro 2, il est pas du tout sur la ligne. Avant clip numéro 3, il roule droit et il reprend un peu de grip. C'est pas du tout fluide et c'est pas joli à regarder. Hein. Ok, merci pour ces explications. Billy, c'est gentil. Ça nous permet d'un petit peu mieux comprendre la façon de noter, le type d'exigence qu'on les juge. Guillaume Gliot face à Axel François. Axel François très rapide aussi avec la GT86. Hein. Une GT86 face à une Nissan Skyline R33. La Toyota GT86 qui embarque un nouveau moteur Lexus sous le capot. Tout neuf, hein, réparé dans la nuit. Il a eu pas mal de déboires, Axel François, je le répète, mais il y en a qui étaient peut-être pas là ce matin. Axel François, il a cassé le moteur pendant les essais la veille de la course. Et il allait récupérer un moteur dans la nuit. Pas facile. Il allait récupérer un moteur à des centaines de kilomètres pour le remonter dans cette même nuit, en fait. C'est-à-dire démonter toutes les périphériques, tout ce qui va avec. Et le taf était dingue. Le taf était dingue et il est là pour rouler ce matin. Il fait une très belle qualif. Et il fait un joli premier run. Pour le top 32. Alors d'après vous, qui de Guillaume Gliot, d'Axel François va remporter cette battle? Il reste un run encore pour les départager. Deux japonaises. Et top départ cette fois-ci. Donc... c'est au tour de Guillaume de passer en tête. Et top déclenchement, très proche de la barrière. On a vu les banderoles s'envoler au passage de la Skyline. Oh, il est très large, oh, il est très large. Oh, c'est bon, il nous a fait une belle frayeur ici. Il n'a pas lâché. Il est du coup un petit peu loin du clipping numéro 3, mais c'est pas grave. Ouh,
attention à Axel François qui arrive, je pense, pied gauche pour garder la proximité. Attention, regardez les pare-chocs qui sont touchés sur le transfert devant le public. Oh là 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 là. On pouvait pas faire plus proche sur le dernier transfert, ce n'est pas possible. Deux pare-chocs se sont touchés. Et c'est une victoire d'Axel François. Ah, victoire d'Axel François, voilà, la proximité, la vitesse était là. La trajectoire était bonne aussi. Rien à dire pour le coup. Voilà, je vois des top 8 se dessiner, les amis. On n'en est pas encore là, on est encore au top 32, mais je vois des top 8 se dessiner. Je ne sais pas si vous êtes comme moi et que vous faites vos notes pour savoir qui va affronter qui, mais à l'issue des top 32, on aura bien entendu un tableau récapitulatif. Une BMW sur la start line et une Nissan. C'est la BMW de Jem Fourel, donc c'est une M2. Et la Nissan S14 de 206, c'est une M5 E39. Avec un moteur, hein. Le moteur M5 E39, c'est pas une M5 E39, c'est une S14 avec un moteur M5 E39. Pardon, pas trop une BMW. Tout va bien, tout va bien. C'est parti, donc. Jérôme Esteban, donc. J'aime qui doit jouer la proximité. Jérôme Esteban, très affûté, pas mal d'angle aussi. Très rapide aussi, compliqué pour Lou, pour, de J'aime pour elle, pardon, de suivre la cadence. Pas facile. J'aime qui coupe pas mal de trajectoire pour essayer de garder la proximité sur le renumérant. On peut pas dire qu'il est en sa faveur. Pourquoi il n'y a pas de deux rounds à Calmont cette année? Bah, c'est très simple en fait, ça dépend des années. Clairement, les doubles rounds sur des manches, c'est quand on n'a pas le choix, si tu veux. Il y a des endroits où on a le choix, d'autres endroits où on n'a pas le choix. Ici, le mieux, c'est de faire un seul round, déjà parce qu'on bloque la ville beaucoup moins longtemps. L'objectif, c'est pas d'embêter les riverains, en fait, c'est que les riverains puissent profiter aussi, que la commune puisse profiter avec tout de l'événement. On apporte énormément de monde sur un événement, ça fait marcher énormément l'économie d'une commune, c'est très très bien. Par contre, il ne faut pas qu'on investisse trop les endroits. Donc, un circuit, c'est plus facile de faire un double round sur un circuit que sur une route ouverte comme celle-ci, même si en soi ça reste possible.
Bien entendu, c'est pas facile de suivre la cadence derrière la M2 de Jem Fourel. Pour revenir sur le sujet qu'on avait abordé, je parlais de pas embêter les gens. Effectivement, on n'est pas là pour embêter les gens. C'est pareil pour nous, communauté. Hein. Je parle de moi, je parle de vous. Quand on part d'un événement comme ça, quand on aime le drift, on fait les choses correctement. C'est pour ça que nous, on porte des casques. Que là, tout est fait dans les règles de l'art. La communauté est aussi responsable en fait que les pilotes sur la bonne image du sport automobile. Si on a que des kékés qui vont faire des tours de rond-point et qui vont se cracher n'importe où, qui vont faire des ruptures en plein milieu de la ville, l'année prochaine, il n'y aura pas d'événement au même endroit, vous voyez ce que je veux dire. Donc la communauté est aussi responsable de l'image du sport. On a la meilleure communauté du monde, il ne faut pas se mentir. Mais voilà, il y a toujours des brebis galeuses qui peuvent faire des bêtises. Donc c'est à nous de le préciser et de dire que faut faire attention, parce que même Kevin, au bout de sa baraque, à 300 km de chez lui, d'ici, il peut faire des conneries. Félicitations à Jérôme Esteban qui passe sur ce top 16 et il sera opposé donc à Axel François. Voilà, je ne sais pas si vous avez bien compris, en tout cas, l'idée que je voulais vous faire faire. Ça fait longtemps que j'ai pas vu hashtag équipe 21 et hashtag CFD à la TV sur les réseaux. Alors n'hésitez pas, c'est les deux hashtags à mettre en ce moment. Si vous voulez nous voir un petit peu plus présents et probablement en plus de meilleure qualité, parce que voilà, ça aide à ça aussi de passer à la télé, faire toujours mieux. C'est notre objectif, bien entendu. On récupère donc les boîtiers télémétriques, on les change de véhicule. Allez, là on est passé d'une M2, on passe à la E92 face à la E36. Cette fois-ci, c'est au tour de Lou Fourel hein, qui s'est plutôt bien présenté aussi, déjà pas mal sur ce déclenchement Lou. Il a même surpris Franck Lacalisse derrière qui s'est dit mais est-ce qu'il tape ou est-ce qu'il tape pas. Lou Fourel très très rapide sur ce run numéro 1. Franck qui accuse le coup du coup derrière. C'est pas facile de suivre le jeune pilote de la BMW 92. Il essaye de passer à l'intérieur mais ça suffit pas Franck. Ça suffira pas pour la BMW 36 en tout cas sur ce run numéro 1, je pense que. Quelle est la différence entre le Formula Drift et le Championnat de France de Drift? Eh bien, le Formula Drift, c'est les États-Unis. Et le Championnat de France de Drift, c'est le Championnat de France de Drift. Il faut savoir une chose, dans nos métiers, Championnat de France de Drift, Drift Master, Drift European Championship, bref, tout ça, c'est des marques déposées. On n'a pas le droit de les utiliser. Donc imagine, on pourrait très bien organiser un Formula Drift France, c'est possible, à condition de payer les mecs du Formula Drift aux États-Unis. On n'aura jamais le pognon, hein, mais c'est possible, voilà, c'est tout à fait possible, à condition de verser, c'est comme, comment te dire, c'est comme importer une marque en France, être revendeur d'une marque en France, c'est le même principe. Mais c'est deux compétitions très distinctes l'une de l'autre. Ah bah on compare les États-Unis à la France, les amis, là, c'est forcément. Si on compare le Formula Drift au Championnat de France, effectivement, on n'est pas sur le même. Je pense qu'au Formula Drift, un round du Formula Drift, c'est 5-6 fois le prix d'un round de Championnat de France de Drift. Pas le prix d'un round, le prix de la saison. C'est le prix de la saison du Championnat de France. Un round du Formula Drift, c'est 4 ou 5 fois ouais, le prix de la saison du Championnat de France. On va pas se mentir. Allez, Franck Lagalisse, leader cette fois-ci. Et Lou Fourel qui attaque doucement derrière. Clipping numéro 2. Il est déjà un petit peu plus à la proximité. Il va devoir garder et maintenir cette proximité sur ce clipping numéro le
4 ici, dernier passage, dernière zone du tracé, le dernier virage qui est à long droit. Donc ici il vient légèrement, je sais pas s'il vient toucher ou s'il vient se faire peur avec un coup de frein, mais en tout cas ça n'a pas dérangé plus que ça Franck Lagalisse. Bah ouais, Torx, j'entends parler que Torx c'est le couple de la voiture. Effectivement, Torx c'est le couple, mais c'est aussi une école de pilotage. C'est Torx Drift School, tiens. Si tu veux apprendre le drift, c'est un partenaire du championnat de France de drift. Il y en a qui ont envie d'apprendre comment ça se passe, comment on fait pour mettre une voiture en dérive, comment on fait pour entretenir. C'est bien beau de mettre une voiture en dérive, mais il faut l'entretenir cette dérive. Bah là, je te propose d'aller rejoindre les partenaires du championnat de France de drift. Ils vont t'apprendre énormément de choses. Que tu sois même déjà pilote d'ailleurs, même si tu débutes pas, tu peux y aller. Tu peux y aller, je pense que ça fait pas de mal d'ailleurs de reprendre des piqûres de rappel avec des professionnels confirmés. Même si il y a pas mal de personnes qui ont des supercars qui veulent apprendre à entretenir une glisse par exemple. Et c'est une victoire de Lou Fourel. Lou Fourel, félicitations à lui. Passons donc à la battle suivante. C'est Jocelyn Jeannin que l'on a sur la start line et Anthony Rocci, on l'a entendu, qui est juste derrière, qui vient s'installer en position de leader. Et top déclenchement pour Anthony Rocci, ultra généreux. Pareil, Jocelyn Jeannin derrière qui ne lâche rien. Et déjà, beau transfert, très belle synchronisation de la part du pilote suiveur. Superbe aussi. Ici, il coupe un petit peu la ligne pour essayer de maintenir un maximum de proximité. Va falloir se rapprocher encore plus. Je suis sûr que c'est possible de la part du pilote de la BMW 46. Il vient ici jusqu'à la dernière partie du tracé. Anthony Rocci, ultra efficace aussi. Très, 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 très rapide, ces deux pilotes. Je sais pas comment départager ce genre de battle. La seule moyen, c'est de voir le run numéro 2. C'est le seul moyen, les amis. Est-ce qu'il y a un championnat du monde de drift? Oui, il y a. Alors, il y a un. C'est un peu compliqué si tu veux. Mais il faut l'expliquer aux gens. Il y a un championnat du monde. Ah non, il y a un championnat. Non, il y a des compétitions internationales de drift. Intercontinental Drift Cup, c'est ça. Intercontinental Drift Cup qui est FIA. Qui est FIA. C'est pas officiellement un championnat du monde. Qui est Fédération internationale de automobile. Mais je crois que c'était. L'organisateur du championnat de Russie qui avait obtenu le droit de faire ça, et du coup en ce moment c'est un peu compliqué. Voilà. Du coup il n'y a pas officiellement de championnat du monde, il y a un championnat FIA, il y a des courses FIA qui existent, mais le championnat du monde pour l'instant ça n'existe pas, et peut-être qu'un jour ça existera, on verra, mais c'est pas d'actu. On va pas se mentir, les meilleurs pilotes du monde sont au Formula Drift et au Drift Master. Je pense que le Drift Master, c'est parmi les meilleurs pilotes du monde. Jocelyn Jeannin, donc cette fois-ci qui est leader, Anthony Rocci, du coup qui va attaquer. Je sais pas si le mot est pas un peu faible d'ailleurs, parce que il est door to door face
au pilote de la BMW 46, très intérieur ici Anthony Rocci, ultra belle proximité de la part du pilote de la BMW 30. Il va tirer, attention, le tête à queue. Voilà, là, là, là. Oh, c'est pas passé loin. C'est pas passé loin pour Jocelyn Jeannin. Ouh là là, même pour Anthony Rocci, c'est pas passé loin. Qu'est-ce qui s'est passé? On va revoir le replay, mais il y a une petite perte de contrôle du leader. Et le problème, c'est quand un suiveur est si proche que ça, bah, le contact est toujours très très proche. Là, on n'est pas passé loin de se faire recaler sur... Là, il n'avait pas les partiels, quoi. On va revoir le replay, justement. Début de tracé, parfait, rien à dire. C'est peut-être un petit peu loin du clip, mais ça, après, c'est au juge d'en décider. Anthony Rocci, un peu moins sur la ligne, mais très rapide quand même, une très belle proximité. Là, il s'intériorise, ce qui est pas mal. Là, le transfert de Jocelyn, il prend de l'angle. De l'angle. De l'angle. Eh oui, il a deux doigts du spin, Jocelyn. Je sais pas, parce que les juges nous diront ce qu'ils ont jugé, mais on va voir le résultat. J'ai mes deux graphiques qui sont apparus en même temps, mais c'est pas grave. Voilà, l'annonce des résultats, c'est une victoire d'Anthony Rocci. Ah oui, alors sans... Malheureusement, il y a une règle qu'il faut savoir dans le drift. C'est qu'un pilote doit garder sa voiture, doit garder le contrôle de sa voiture jusqu'à l'arrêt du drift. Malheureusement, ce qui s'est passé à la fin, c'est notre ami Jocelyn Jeannin qui était à la frontière du spin et qui a fini par spinner d'ailleurs, qui n'a pas arrêté son drift, qui a gêné aussi par conséquent derrière Anthony Rocci. Du coup, le deuxième battle était 100% en faveur d'Anthony Rocci. Si vous voulez, si vous êtes novice dans la discipline, il faut s'imaginer une chose. Imaginez-vous que, c'est ce qui se passait, c'est ce qu'on donnait avant, imaginez-vous qu'il y a 10 points à distribuer par run, d'accord ? 2 fois 10 points, c'est-à-dire que imaginez que les deux pilotes font un run parfaitement identique et on va leur donner 5 points chacun, ok? Si le deuxième run, ils font 5 points chacun également, il va y avoir un one more time, on prend les mêmes et on recommence. Mais là, imaginons que tous les deux, tout à l'heure, ils ont fait un run identique, ils avaient 5 points chacun. Là, on a un pilote qui a fait une énorme erreur. Et ce pilote-là, il a perdu la totalité de ses points. Ce qui fait que l'autre pilote aurait 10 points et le pilote qui a fait une grosse erreur aurait 0 points. Enfin, c'est un peu comme ça qu'il faut s'imaginer la compète. Ah, Michael Perrot est le pilote suivi par Damien Fréchet. Très belle ligne en tout cas du pilote suisse, il élargit très très bien. Le 92, oulala, le spin de Damien Fréchet ici qui n'arrive pas à suivre Michael Perrotet du coup qui s'envole sur le clipping numéro 5 et qui vient chercher la ligne d'arrivée et repousser le peu de banderoles qui restait sur cette ligne. Ouais, on voit bien le sur le transfert, la petite, petit cafouillage sur le transfert. Les mains qui vont pas au bon endroit au bon moment ou le freinage de trop peut-être. Et c'est le tête à queue. C'est très fin en fait le drift, on n'imagine pas. On utilise toutes les techniques de pilotage. Et non seulement toutes les techniques de pilotage sont utilisées, mais on a aussi été obligé d'en inventer d'autres. Le clutch kick, c'est un
un coup très fort d'embrayage. C'est une technique qui a été, peut-être pour d'autres sports avant, mais on va pas dire qu'on l'a inventé, bien entendu, mais qui est majoritairement utilisé dans le drift. Va falloir m'expliquer où est-ce qu'on utilise le clutch kick dans d'autres disciplines. Peut-être en rallye, mais là où on utilise énormément de... On utilise énormément de techniques de pilotage aussi. Mais c'est très propre au drift quand même, le clutch kick. Hein. Ouh là 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 là. Oh, c'est bien dommage ce qui se passe là. Damien Fréchet qui arrête de glisser. Alors, il a les chevaux, il a tendance aussi à casser quelques cardans. Damien Fréchet n'est pas nouveau, non, 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 pas du tout. Il roulait sur une BMW 36 avant, un peu aux mêmes couleurs. Clutch kick en motocross? Ah bah pour partir peut-être, je sais pas. Pour relancer, peut-être en sortie de virage, quand on est sur les bankings en moto peut-être. Merci Dawed pour le hashtag équipe 21 et hashtag CFD à la TV. TV, faut pas télé, TV. Désolé. Mais merci en tout cas pour le hashtag, c'est top, c'est génial. Un Gymkhana, oui, un Gymkhana, c'est la base du drift, le Gymkhana. Enfin, plutôt c'est le contraire. Oui, félicitations à Michael Perrotet qui, par conséquent, remporte. Et oui, effectivement, vous l'avez vu, hein, double problème de la part de Damien Fréchet, Michael Perrotet. Sur la start line, on a la dernière battle du top 32. Cette dernière battle, elle opposera Laurent Nikitin en tant que suiveur, qualifié respectivement 31e, et Yvon Buisson, qualifié 2e. On a l'avantage d'être leader quand même sur une battle. On a un petit peu d'avantage d'être leader, ça permet de laisser... ça permet de voir venir un petit peu parce que on sait ce qui s'est passé sur le premier run, du coup on sait si on a le droit ou pas d'envoyer, on va dire, sur le run numéro 2, d'envoyer un petit peu plus la gomme, d'arriver avec un peu plus le couteau entre les dents. C'est parti, top départ du coup. Laurent Nikitin qui va chasser Yvon Buisson. Très belle attaque de Yvon Buisson et Laurent Nikitin malheureusement qui fait une grosse correction ici après le déclenchement. Contact même, j'ai l'impression au début du tracé, on va revoir là. Les juges, je pense, demandent le replay sur la première partie. Déclenchement de Yvon, très généreux toujours. Hein. Ah, je sais pas s'il y a le contact. À votre avis, il y a eu contact ou pas sur. Ah oui, on voit le pare-choc qui se décroche après. Effectivement, il y a eu contact. Pare-choc avant qui se décroche. Vous voyez les banderoles quand ils passent près comme ça là, quand ils lèchent la barrière, les banderoles qui s'envolent avec le vent, ou carrément avec la voiture, ça arrive aussi.
Et effectivement, la trace de la touchette sur le pare-choc qui était vraiment blanc, je crois, de la voiture de Laurent Nikitin. Pensez bien entendu à vous hydrater hein, dans le public, il fait super chaud, un peu de prévention ça fait pas de mal, donc pensez à boire un coup. Regardez, c'est ce que je vais faire moi aussi, il commence à avoir pas mal chaud. Et bien entendu on tourne à l'eau. Hein. Et top départ. Oh, Laurent Nikitin qui a déjà beaucoup d'avance hein, sur Yvon Busson. Yvon Busson qui s'est peut-être laissé surprendre sur le départ par rapport à Laurent. Là, il n'y a pas trop battle. C'est un peu dommage. On va le revoir sur le replay. C'est un peu dommage. Là, il n'y a pas trop battle. On me pose une question de fou d'écran qui me dit s'il n'y a plus de circuit, avoir des épreuves dans d'anciennes mines serait envisageable. Quelque chose qui va pas dans ta phrase là. Dans d'anciennes mines. Alors j'ai visité de très grandes mines dans ma vie. Ah, les mines de sel en Pologne sont très très grandes, mais de là à faire une course de bagnole à l'intérieur, je. Effectivement, il lui a mis un sacré boulevard, c'est un peu bizarre, il s'est peut-être laissé surprendre à l'arrivée. On peut les applaudir quand même, mesdames et messieurs. Victoire d'Yvon Busson. Bravo Yvon. Quand on organise une manche de drift, il n'y a pas que le tracé qui compte, malheureusement. Sinon, ça serait que des formats vidéo. Et il faut qu'on prenne en compte les accès publics, il faut qu'on prenne en compte la billetterie, savoir si c'est possible d'en mettre une. S'il y a 50 000 accès, malheureusement, ce n'est pas possible. Il faut qu'on prenne en compte aussi l'accès paddock, les paddocks en eux-mêmes, parce qu'on prend quand même pas mal de place. On est presque 500 personnes à venir sur un événement comme celui-ci. Avec les pilotes et les équipes, 50 pilotes, vous comptez 50 pilotes, il y a énormément de monde entre l'organisation, entre les pilotes et tout ça. À Calmont, c'est vrai qu'à Calmont, ils sont un petit peu endormis. Hein. C'est vrai que je pense que c'est la chaleur. Attends, on va les réveiller. On va les réveiller un petit peu. Alors, à 3, on va faire un petit peu plus de bruit que ça, les amis. Alors, Calmont. 1, 2, 3. Oh, ça va, ils dorment pas tant que ça encore. Encore une petite fois, encore une fois. 1, 2, 3, Calmont. Bon, tu vois, voilà, et je pense que les gens sont de mauvaise foi, je pense qu'ils sont toujours réveillés calmement, ils sont chauds, par contre il fait chaud, effectivement, ça plombe un petit peu la chaleur, donc pensez bien à boire un coup, vous hydrater, je le dis, je le répète, ça fait un petit peu papa qui s'occupe de ses enfants, mais la communauté, c'est un peu mes enfants, hein. Battle suivante, on l'a sur notre gauche, c'est Jason Banet, le poleman du week-end. Face à Nuno Pinto, et c'est parti top départ, on est donc en top 16. Hein. Très 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 rapide, Nuno Pinto qui n'arrive pas à suivre.
pour le coup ultra rapide et efficace Jason là sur le run 1. Allez, j'ai des choses à vous faire faire, les amis. On est 3700 sur YouTube là. On est, je sais plus combien sur Facebook. On est plus de 1000, je crois. J'ai un truc à vous faire faire, c'est vous faire liker la page Insta. Il reste plus que 700 personnes pour devenir la première communauté de sport mécanique en France. Je parle pour un championnat national parce que j'en connais qui vont venir me dire ouais, mais il y a la F1. Mais la F1, c'est pas un championnat national, mon copain. Donc, on est à deux petits doigts, de devenir la première communauté de sport mécanique en France sur Instagram. Alors, allez lâcher tes likes sur Drift France, s'il vous plaît, et partagez un maximum. Je suis sûr qu'on peut le faire ce week-end. Je suis sûr qu'on peut le faire. La preuve, eux vont le faire. C'est Nuno Pinto et Jason Bannet. Je suis sûr qu'ils sont déjà abonnés à la page. J'en suis certain. Oh là 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 là, la proximité de Jason ici qui lâche rien sur ce clipping numéro 3, clipping 4 sans problème pour les deux pilotes. Clipping 5, le transfert très très bien synchronisé. Il vient se recoller sur la voiture du pilote portugais. Encore une fois extraordinaire ce que nous donne le jeune pilote Jason Bannet. Est-ce qu'on peut dire qu'il est jeune quand même? 22 ans. Je remets la casquette parce que le soleil arrive. Alors le micro était, voilà, ça a bougé, je pense que ça va mieux. Il y a toujours des désavantages avec la différence de chevaux. Il y en a qui se posent la question. Oui, forcément, il y a des désavantages, mais on a clairement vu que ça faisait pas tout dans le drift. Ça fait vraiment pas tout. Et on a souvent vu les choses arriver. Jason Bannet qui remporte. Enfin, on s'y attendait. On ne tombe pas des nues avec ce résultat. Jason Bannet qui passe donc en top 8. Alors, j'ai pas forcément besoin de revenir sur ces explications. Nuno Pinto qui roule très 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 bien sur cette battle, il n'y a pas à dire, mais clairement, en termes de suiveur, il fait un travail. Et là, c'est clairement, effectivement, la différence de puissance qui va faire la diff. C'est Nuno, avec sa voiture, il n'arrive pas à suivre face à Jason Bannet. Il n'arrive pas à suivre. Jason Bannet, lui, par contre, il arrive à faire le job en tant que suiveur. Il garde une super proximité. Du début à la fin, il synchronise très très bien. C'est ce qu'il fait passer sur une battle comme celle-ci. Là, on peut dire que les chevaux ont parlé, mais le coup de volant aussi, parce que il faut les tracter. Il est entre 800 et 1000 chevaux, on sait jamais trop, Jason. Ça dépend des jours. Et non, effectivement, j'ai dit malheureusement Kevin Jeannot n'a pas pu participer aux qualifications ce matin suite à une casse d'embrayage. Il n'a pas réussi à réparer dans la journée, il n'a pas pu. Il a une casse sur la start line en fait, il a cassé l'embrayage sur le départ. Presque, juste avant le départ.
Nicolas Dufour, Nicolas Duard. Un duel de Nicolas, un duel de BMW. C'est pas la première fois qu'on les voit en un contre un tous les deux, je crois. Nicolas Dufour là qui toujours très rapide, c'est ça m'impressionnera toujours, je pense il a une espèce de fluidité, une rapidité avec cette voiture. Certes il arrive à bah, du coup il fume beaucoup moins que les pilotes qui ont beaucoup de chevaux, mais il arrive à garder cette vitesse, cette proximité. Il est quand même incroyable ce Nicolas Dufour, mon petit homme. Hein. Ouais, il m'impressionne toujours à chaque fois. Le pilotage, mais la voiture est super efficace en fait. C'est ça aussi qui m'impressionne parce que il faut l'amener. Il l'emmène du main de maître, ça c'est certain. Il est bridé par les chevaux, ça c'est certain. Mais la casse est très très efficace quoi. On se dit qu'on peut faire pareil en fait. Et il y en a beaucoup qui pourraient prendre exemple honnêtement hein, sur lui. Je parle pas forcément en championnat, mais nous derrière nos écrans, quand on se plaint de notre puissance, et ben on pourrait prendre exemple là-dessus et se dire qu'au final, avec 350, on fait de belles choses quand même. Sabrina qui nous explique que c'est facile de parler derrière un micro, et elle dit même c'est facile de critiquer derrière un micro. Alors Sabrina, je vais t'expliquer un principe très simple. Les juges sont là pour juger. Je t'invite bien entendu à faire ce métier-là. Le principe, c'est d'analyser une course. T'as pas besoin de savoir piloter pour analyser une course, pour comprendre les, pour analyser. On analyse des erreurs. On n'essaie pas de les comprendre les erreurs. On les constate. Ce n'est pas pareil. Et ensuite, je t'invite à venir sur pas mal de circuits en France et tu retrouveras sans doute nos juges piloter des voitures. Et sans doute t'apprendre à piloter, parce que pour certains, ils sont moniteurs. Dufour est certes très fort, mais Jouard n'est pas en reste non plus. On peut le voir sur ce run numéro 2. Il a une très belle ligne. En même temps, Nicolas Jouard, qualifié, joueur, je le cherche, je suis désolé. Jouard, il était qualifié 25e, qui est une belle performance aussi. Et il n'est pas en reste, hein, il n'est pas en reste sur son run numéro 1. On va attendre le résultat. On attend donc sur votre gauche hein, et sur votre droite. Donc c'est Nicolas Dufour qui remporte cette victoire en volant de sa BMW E30. Donc on va... Ok, on va se rejoindre après un petit instant, le temps de renflouer un petit peu. Vous voyez, il y a déjà le soleil qui est là. On se rejoint dans quelques minutes après une courte page de publicité, histoire de renflouer un petit peu les bouteilles d'eau pour nos amis les juges et pour moi-même d'ailleurs. Et je vous invite aussi à faire de même de votre côté. Alors à tout de suite.
Salut, c'est Antoine de la SRG Drift Team. Je viens aujourd'hui vous présenter les pneus Zeknova avec lesquels on roule en compétition depuis plusieurs années. Depuis qu'on roule avec, on est au niveau de voitures qui ont plus de puissance que nous. Rapport qualité-prix, je pense qu'actuellement, il n'y a pas grand-chose de mieux sur le marché. Donc je vous recommande vraiment d'essayer ces pneus, vous n'en serez pas déçus. De retour en direct sur le championnat de France de Drift pour le round numéro 5 ici à Calmont, après cette courte page de publicité de nos partenaires bien entendu. Merci à eux de nous accompagner pour cette nouvelle saison. Vous avez vu, le soleil est là, je me couvre parce qu'on est juste à l'extérieur. La piste est sur ma gauche ici et on va pouvoir lancer les battles avec Benjamin Racine qui va affronter Armino Martin. Vous voyez là, il s'affiche sur votre écran, sur votre gauche, hein, la PS13 de Benjamin Racine et la 350Z, 1000 chevaux annoncés sur cette LS3 compresseur du pilote portugais Armino Martin. Et top départ justement pour ce run numéro 1. Alicia, il y a looping. Bah écoute, je suis obligé de faire la déclaration looping qui a envie de demander à Alicia si tu veux l'épouser. Alicia, veux-tu épouser looping? Voilà. J'espère qu'elle a dit oui. Merci, merci looping, c'est gentil de ta part. Merci pour le don sur YouTube et pour ce petit message sympathique. C'est un message d'amour. Honnêtement, clairement, on n'est pas à la radio libre, mais un beau message d'amour, c'est avec grand plaisir qu'on le fait partager, quoi. C'est avec grand plaisir. Et Alicia, c'est pas moi qui veux t'épouser, hein, ok? C'est looping. J'espère qu'elle a dit oui. Hein. À mon avis, elle est dans le public. J'espère qu'elle a dit oui. Andy Leica me demande si on verra des pilotes du CFD au Spain Series, donc le championnat espagnol. Malheureusement, je peux pas te répondre oui, je peux pas te répondre non, je suis pas dans la tête de ces pilotes. J'ai pas l'information des pilotes, il faudrait que ces mêmes pilotes me donnent l'information. Et malheureusement, ils ne me la donnent pas. Donc à part les suivre sur les réseaux sociaux, tu sauras s'il y a des pilotes qui participent, mais voilà, moi pour l'instant j'ai pas d'infos pour leur participation. Je sais qu'il y a beaucoup de pilotes il y a des pilotes qui aiment rouler en Espagne, donc il y a des probabilités pour que ça arrive. Ouh, attention à Benjamin Racine qui est très très large ici, qui s'est laissé surprendre, et du coup Armino Martin qui en profite pour s'évader, j'ai envie de dire. Fin de tracé clip 5 sans problème. Merci Mehdi pour le don. On les a vus, hein, les hashtags. Je les ai vus. Déjà, il est pas à côté de moi. Honnêtement, Tchouf aurait été en haut à côté de moi. C'est pas à moi qu'il faut écrire le message, c'est à lui là pour le coup. Et victoire du pilote portugais Armindo Martins. On a clairement vu malheureusement ce qui s'était passé pour Benjamin, c'est pas passé.
Et j'attends les voitures qui doivent être en. Alors je vois que c'est. Là j'ai un signe de croix là-bas. J'ai pas l'information du coup du directeur de course qui est un tout petit peu plus loin. Et j'ai pas les voitures en start line, mais. File des pannes au micro plutôt que de chauffe. Ah voilà, on a Sofiane Yazid qui arrive. Et vu que la piste est. En fait, je suis tout en haut de la piste, je suis assez loin, donc je n'entends pas forcément les pilotes chauffer les pneumatiques. Le voilà. Mathias Locatelli. Avec une particularité ici, plein de particularités ici, clairement. En général, sur les pistes, on a des chicanes pour le leader. Là, on n'a pas de chicane pour le leader. C'est calme. Étape déclenchement pour Mathias Locatelli. Appel, très gros appel contre appel et superbe angle pour le déclenchement. Ce qui ne doit pas déranger Sofiane Yazid, suiveur derrière. Sofiane à l'attaque pour le monstre piloté par. Par Mathias Locatelli. Un duel de BMW, des générations qui les séparent et peut-être quelques centimètres qui les séparent. On verra run numéro 2 si la différence se fait. Il a réussi quand même à suivre la cadence, Sofiane, en tant que suiveur, ce qui n'est pas facile derrière Mathias. Avec bien entendu le fait qu'il ne faut pas être trop loin sur une voiture qui fume énormément comme celle-ci, parce qu'on finit par se paumer un peu dans la fumée. Bien sûr, les pilotes ont des repères, ils savent très très bien ce qu'ils font, ils savent très bien se repérer sur la piste, mais en tout cas, ils arrivent, s'ils sont un petit peu trop loin derrière, malheureusement, et ben c'est un petit peu trop dans la fumée, ça paume un petit peu les repères. Et le but, c'est d'être assez proche, comme ça on a les yeux sur la voiture. Akadji, c'est ça, Akadji Edge, qui demande qu'Étienne passe au micro. Et je tiens à féliciter Looping qui va pas tarder à se marier. Félicitations à lui. On peut le féliciter hein, sur les réseaux. Run numéro 2, Mathias Locatelli va s'élancer en tant que suiveur. Il va chasser Sofiane Yazid. La position la plus dure, hein, c'est souvent la position de suiveur. C'est là, en général, où on perd plus une manche qu'on la gagne. Et c'est là où on arrive à faire la différence, en général. En tout cas, il a pris un très très bel angle, Mathias, ici, sur le déclenchement. Sofiane Yazid, super impressionnant. La ligne est vraiment belle. Quelle proximité du pilote grenoblois aussi en tant que suiveur. Super ligne sur le clipping numéro 4. Clipping numéro 5, ils viennent tous les deux à l'extérieur. J'ai pas trop vu sur la cam pour le coup. Le déclenchement quand même très impressionnant de Mathias en tant que leader est toujours aussi pareil. J'ai l'impression que Sofiane est aussi aussi énervé. Les juges ont les yeux sur le replay, ils analysent les différents passages. Ah, ils sont juste à côté dans les stands, les amis, là. Félicitations à Mathias Locatelli. Je vais vous demander de faire un tonnerre d'applaudissements aussi pour Sofiane Yazid, qui est jeune papa depuis quelques jours, là. Voilà, on peut applaudir Sofiane, bravo.
Et une petite dédicace à toute sa petite famille qui est en train de la regarder, je pense. Qui est en train de la regarder, qui est en train de le regarder. C'est sa petite famille qui regarde Sofiane. Donc on les embrasse très fort depuis Calmont. Première partie de tableau, top 16 terminé, j'ai envie de dire. Bonne nouvelle. On passe donc à la seconde partie et on va avoir un Antoine Amar face à Jérémy Germain qui est déjà là. Antoine Amar qui sort de sa zone de chauffe. Voilà, on a différentes zones sur le tracé. On commence par l'après-grille. Après, l'après-grille, c'est là où les pilotes arrivent, là où les pilotes s'installent en venant des paddocks. D'ailleurs, ça commence des paddocks, mais on va plutôt dire que ça commence des paddocks. Ensuite, après les paddocks, on a l'après-grille, là où les pilotes s'installent pour rentrer en piste. Ensuite, on a la zone de chauffe. Après la zone de chauffe, on a la start line, la ligne de départ. On peut encore découper la piste avec la zone d'élan. Ensuite, l'attaque zone. Les pilotes doivent continuer de démarrer la glisse avant cette zone-là. Et pour finir, la finish line et la zone de retournement. Voilà comment se passe un petit peu la course ici à Calmont. Oh, le kiss the wall pour Antoine Amar. Très très énervé, notre ami Antoine. Très nervous comme d'habitude. Keeping numéro 5 validé plus qu'une fois et Jérémy Germain qui a du mal à tuer la cadence aussi, c'est pareil, très 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 rapide notre ami Antoine Amar. Transfert clip 2, 3 ici, clip 3 est magnifique. Avec les bâches qui se soulèvent là, je pense que suivez les réseaux sociaux cette semaine là, parce que vous allez avoir les photos des photographes justement qui vont tomber. Et à mon avis, ça va être du lourd, du très 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 lourd. Ça nous rajeunit pas, Tom, hein, ce battle Amar-Germain. Hein. Ça fait quelques années qu'ils sont là. Hein. Alors, ça fait déjà 10 ans qu'on est là, nous. Bientôt 10 ans. Et eux, ils étaient presque là avant, je crois, avant le championnat. Enfin, c'est même sûr, d'ailleurs. Alors moi, j'ai roulé en même temps que Jérémy Germain et j'ai vu Antoine Amar arriver. Et c'était en quelle année, ça? Ouf. C'était il y a 15-20 ans, non? Ah, c'était en 1814. À l'époque, c'était des courses en charrette. On était tractés par deux chevaux. Bon, ça marchait, mais bon, c'était moyen. Bon. Oui, c'était il y a bien 15 ans de tout ça. Jérémy Germain, Antoine Amar, du coup, le Jérémy Germain, il est là, top déclenchement. Antoine Amar, suiveur, du coup. Le transfert, clip 3, clip 2, clip 3 ici. Très bien, synchronisé, belle ligne, très très belle ligne de la part de Jérémy Germain. Clip 4, un petit peu extérieur, du coup, c'est Antoine Amar en profite pour regagner un peu en proximité. Dernière partie du tracé, il coupe un petit peu pour regagner cette fameuse proximité. En zone des résultats, les deux pilotes sont là et c'est une victoire d'Antoine Amar. Continuons ainsi
sur ce top 16. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Antoine Amar qui s'arrête, qui demande l'info. J'espère que tout va bien pour Antoine. Est-ce qu'il n'a pas repéré quelque chose sur la piste? La battle est là, elle est présente en startline. Je peux vous dire que nous on a chaud. Nous on trouve qu'on a chaud. Bah, imaginez, l'intérieur d'un habitacle est bien plus chaud que l'extérieur. Parce que tous les pare-chaleurs pour économiser du poids ont été enlevés. Il fait facilement 45 degrés. Et je dis facilement 45 degrés à l'intérieur de l'habitacle d'une voiture de course. Donc c'est une réelle performance que font les pilotes, même si c'est court et intense. On va revoir le replay avec pas mal de distance hein, pour Jérôme Esteban. Être laissé oublier sur la tag zone, il coupe un petit peu la trage clip 1 et 2 pardon pour essayer de gagner la proximité. Mais difficile de remonter sur Axel François. Hein. GT86 est possédé, me dit Will. Eh ben écoute, je sais pas, mais en tout cas, elle est très bien conduite par Axel et il ressort de loin. Hein, il ressort de loin. Ça me rappelle une époque. On parlait de Billy, mais ça me rappelle l'époque où la voiture de Jérôme Esteban était la voiture c'était la plus grosse prépa, je pense à l'époque quand j'ai commencé le championnat de France de drift. Et c'est dingue de se dire que maintenant ça fait partie des plus petites préparations. Et on est passé à step tellement ouf. C'est une belle préparation quand même, Nissan S14 avec un moteur M5 39, 430 chevaux. C'est une très belle préparation, mais ça fait maintenant partie des plus petites. Allez, très bel appel, contre-appel. C'est une technique utilisée pour le déclenchement. On jette la voiture d'un côté, on la jette de l'autre pour glisser. Et le mot jeter n'est pas exagéré. Très belle ligne d'Axel François. Oh là 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 là, la proximité jusqu'au dernier virage du pilote de la GT86. Attention, c'est pas passé loin. À l'attaque dès le déclenchement, Axel François. Beau transfert ici en tant que suiveur clip 4, avant le clip 4. Et c'est une victoire d'Axel François.
Regardez sur la droite de votre écran, la BMW de Loufourelle est déjà prête à s'installer en start line. Et Anthony Rocci, lui aussi, lui il est déjà sur la start line. Il agite la porte, il fait très 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 chaud dans la voiture. Hop, on lui demande de s'arrêter. On récupère le boîtier télémétrique. Il passe d'une voiture à l'autre. Petite vérification d'Alex, le startliner, sur le pare-choc de Jérôme Esteban. Et on part ensuite. On donne l'autorisation d'accès en piste au jeune pilote Lou. Et on se chauffera un petit peu plus pour la suite. Attention mesdames et messieurs, ça va partir je pense. On attend juste l'information de la direction de course. Et j'ai entendu le go, go, go. Et c'est parti, top départ. Ouh là 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 là, il y a un petit peu d'erreur ici de la part du leader. Du coup, ça gêne un petit peu le suiveur. Attention, c'est mis. Alors, il ne faut pas oublier une perte de pare-choc. Si elle déstabilise, si jamais le pilote leader, par exemple, perd un pare-choc et qui déstabilise le suiveur, et ben c'est une faute du leader. Faut le savoir. Donc les points iront en faveur. On va revoir là, ce qui s'est passé sur suite au déclenchement. Clip 2, pas de problème. Un petit peu trop proche clip. Voilà, un petit peu trop proche clip 3 et ça vient toucher fort sur la barrière, vient arracher le pare-choc et de faire une grosse récupération. Dur. Les juges sont en train d'analyser le run. Je vois pas beaucoup de questions sur les réseaux, j'espère que vous êtes toujours opérationnel. Et je vous rappelle nos deux tâches du jour, nos deux tâches de l'après-midi, c'est de devenir la première communauté sur Insta. Il restait très peu de personnes, il restait même pas une 700 personnes à liker. Donc vous avez été au moins 1500, quasiment 1500 à liker Drift France sur Insta. Allez-y si c'est pas fait, sans déconner, ça vous coûte rien. Mais je suis sûr qu'on peut l'atteindre avec la communauté qu'on a. Et bien entendu, ça tombe, merci David. Hashtag équipe 21, hashtag CFD à la TV. Les pare-chocs dans le drift ont une durée de vie assez moyenne. On va pas se mentir que je pense que d'ici quelques années, il devrait y avoir des associations de pare-chocs. Pour la maltraitance de ceci, pour économiser de la fibre, pour tout ça. Oui, effectivement, il peut y avoir des associations d'ici peu de temps qui se créent pour la protection des pare-chocs en voie d'extinction. Anthony Rocci, c'est parti, run numéro 2. Difficile pour Loufourelle de suivre Anthony. Il remonte un petit peu peut-être, deuxième partie de tracé. Jusqu'à l'avant-dernier clip. Ici, très intérieur ici, clip 5. C'est validé le transfert et le link jusqu'à la ligne d'arrivée. C'est pas mal, cette fin de tracé est pas mal. Je sais pas. Vous avez vu le geste que fait... Anthony Rocci à la fin, il tapait sur le toit de sa voiture. C'est une façon d'applaudir et de dire bravo pour la proxy. On va pas se mentir, ils sont posés ensemble dans les paddocks, Anthony et l'équipe Fourelle. Ils sont juste à côté, ils s'entendent très bien.
Ah, effectivement. Ah, j'ai un début. D'après vous, est-ce qu'il va y avoir One More Time ou pas? J'ai un début de One More Time. J'ai quelqu'un qui me dit One More Time. Skype From me dit One More Time. Est-ce qu'il va y avoir peut-être le premier One More Time de la journée? Peut-être, peut-être pas. Et c'est une victoire d'Anthony Rocci! À quand les vues embarquer en direct? Eh ben, quand on aura le budget, mon ami. Malheureusement, ouais, c'est la dépense la plus grosse, hein, faut pas se mentir, la dépense la plus grosse sur une compétition comme ça, c'est le live, c'est la vidéo. Je vous invite à venir sur un événement un de ces jours et vérifier et comprendre un petit peu les infrastructures qu'il y a autour de ce genre de choses. La télé, ça coûte des milliers, des centaines de milliers d'euros, mais parce qu'il y a énormément de matériel, en fait. Ben nous, c'est pareil. Ça coûte très cher parce qu'il y a énormément de matériel aussi. Camion régie, des dizaines et des dizaines d'écrans pour pouvoir... Enfin, des dizaines d'écrans. De nombreux écrans pour pouvoir guider les juges, les pilotes, enfin les pilotes, les juges, les commentateurs. Des centaines et des centaines de mètres de câbles. C'est parti pour le run entre Michael Perrottet et Yvon Buisson. Yvon Buisson déjà ultra incisif sur son déclenchement, ultra efficace. Clip 2 aussi. Michael Perrottet qui va devoir suivre la cadence. Hein. Le Suisse, oula, un petit peu large, mais c'est pas grave. Ça va laisser un petit peu de place pour le pilote suiveur de se rapprocher. Et la ligne d'arrivée est passée. Facile de tenir au soleil. Il fait effectivement très 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 chaud à Calon. C'est dur de rester dehors, donc pensez à bien vous hydrater. Hein. Bien vous désaltérer. Le temps pour nous de regagner Startline, la startline, le temps au pilote de regagner la ligne de départ et d'inverser bien entendu les positions. Cette fois-ci, c'est Michael Perrottet. On a vu un tout petit peu moins rapide, je pense, que Yvon Buisson. Du coup, Yvon Buisson, là, il doit s'adapter à la vitesse, ce qui n'est pas facile de s'adapter à la vitesse de son leader. Et ça va très vite, en tout cas, pour les deux pilotes. Clipping 3, 4 validé, extrêmement rapide aussi, très incisif sur les transitions. Clipping 5, très belle proximité de la part de Yvon Buisson. Oh, oulala, Yvon Buisson qui vient lécher la barrière ici, là, je sais pas ce qui s'est passé à la fin. Est-ce qu'il a embrassé la barrière ou pas? Est-ce que c'était avant la ligne d'arrivée ou après? Elle a pas forcément de drone, non, il n'y a pas forcément d'image de drone en direct. Il y a, je pense, un petit peu trop de monde sur la trajectoire entre la réception des drones et le camion. Je pense qu'il y a un petit peu trop de monde sur. D'habitude, on est sur des terrains dégagés. Là, on est entouré d'arbres, on est entouré
de personnes. Et je pense que c'est un petit peu plus compliqué aujourd'hui. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas les drones en direct. Et après, du coup, on peut les avoir, si c'est demandé par les juges, on peut les avoir peut-être en replay. Et victoire de Michael Perrottet. Eh oui, pour les juges, l'erreur fin de tracé, ça ne passe pas. L'erreur fin de tracé, ça ne passe pas. Oui, on vous voit, vous pouvez vous applaudir, cher public, on vous voit sur le live. Alors, calmement, vous dormez ou quoi? Est-ce que ça va? Le tableau des top 32, des top 8, pardon, il s'affiche sur notre écran maintenant. Donc, on aura Jason Bannet qui sera opposé à Nicolas Dufour. Armindo Martin sera contre Mathias Locatelli. Antoine Amar sera contre Axel François. Et pour finir, Anthony Rochi sera contre Michael Perrottet. À vos pronos, les amis, à vos pronos, il nous reste 8 pilotes. Il nous reste 8 pilotes. Bannet, Dufour, Martins, Locatelli, Amar, François, Rochi et Perrottet. D'après vous, premier, deuxième, troisième, à vos pronos. Jason vs Axel, c'est possible. Jason vs Axel, je regarde. Jason Bannet contre Axel François, c'est possible uniquement en petite finale ou grande finale. C'est pas possible avant. Amar vs Bannet, c'est possible, pareil, en petite finale ou grande finale, ça c'est possible. Jason premier, ok, il y a des aficionados de Jason, il est là d'ailleurs, il va s'élancer pour ce top 8. Et bon, on va voir, il faut passer cette étape là en tout cas, pour arriver sur le podium, il faut obligatoirement passer cette étape là, c'est le top 8. Oh là là, super rapide comme toujours, Jason. Je pense pas que ce soit le bon replay, hein. C'est pas... On n'a pas eu le bon replay là, mais c'est pas grave. Alors, ça y est, j'ai des pronos qui tombent. 1, Bannet, 2, Amar, 3, Axel. C'est plausible. Voilà, le revoilà, le replay. Antoine Amar, Nicolas Dufour, Antoine Amar qui était leader. Nicolas Dufour qui a clairement moins d'angle pour essayer de suivre la cadence. Et qui grimpe jusqu'à la finish line. Allez, on va les voir regagner gentiment la ligne de départ alors que Nicolas Dufour a déjà fait demi-tour. La zone... En fait, ils font demi-tour en zone de chauffe, tout simplement. Bannet président, ça fait pas partie de ce qu'il y a à gagner à l'issue de la manche, malheureusement. Mais toujours pas mal de... Ah, j'ai Charlotte qui me dit qu'Antoine, elle verra bien Antoine Amar premier, Axel deuxième et Bannet troisième. Ça tourne pas vachement autour de ces pilotes-là. En tout cas, Jason Bannet, pour l'instant, là, il va s'élancer en tant que suiveur. Il faut absolument qu'il passe cette étape, comme je l'ai dit. Et Nicolas Dufour aussi, d'ailleurs. Il faut qu'il passe cette étape s'il veut assurer le coup sur cette battle et assurer les points au classement général. Transfert clip 5. Et ça y va. Oh là là, quel travail!
Quel travail de Jason Mann est impressionnant sur ce deuxième passage. Jusqu'où va-t-il aller? Kenny qui nous dit que ça sera pour lui Antoine Amar qui sera premier. Et c'est une victoire de Jason Bannet. On est plutôt bon sur les pronostics pour l'instant. On se trompe pas pour l'instant. Violence et insolence. Félicitations, très très beau parcours aussi Nicolas Dufour. À partir du moment où on a passé le top 8, on a de fortes chances. Ouais. On a de fortes chances d'être sur le podium. On a deux chances d'être sur le podium. C'est l'avantage d'être en top 4. Il fait actuellement 34 degrés, vous le voyez, ça s'affiche sur notre écran, merci. Wine 13 km/h, ouais, je cherche un petit peu le vent 13 km/h et des pics à 28. Ben, je les attends avec plaisir, hein. Il y a même l'indice UV de 5, je ne sais pas sur combien il est, mais il y avait même l'indice UV, merci. Merci pour ces infos. Premier rendez-vous, je me demande, oui, effectivement, il y en a. Est-ce qu'il y en a qui nous rejoignent pour la première fois sur le chat ici, sur les réseaux? Est-ce qu'il y en a qui suivent ici, qui sont là, qui sont passés par là, ils ont dit, tiens, il y a une vidéo avec des jolies bagnoles. Est-ce que ce serait pas bien? Et du coup, il reste parce qu'en fait, c'est super bien. Bonne question. Le Catelli, beaucoup d'angle ici face au pilote portugais Armindo Martin. Est-ce qu'il va suivre la cadence? Là, il y a un très beau duel en perspective. Clipping numéro 4, ça va très très vite. La relance sur le clipping numéro 5, le transfert. Armindo Martin qui coupe là, un petit peu la trash pour essayer de se rapprocher du pilote grenoblois. C'est bien, cool, ça me fait plaisir de voir des nouveaux, sur comme Dawid par exemple. Première fois en ligne pour Nasty aussi, c'est cool, merci Nasty. Et ben voilà, ça fait plaisir de voir des nouveaux. J'espère qu'en tout cas, on est assez clair sur les règles. J'espère que vous les avez compris, ces fameuses règles du drift qui changent un petit peu de tous les autres sports automobiles. On approche du top 4, on approche doucement. Encore 3 battles et on sera en top 4. 16h45 pour le moment, n'est pas trop mal. Alors j'ai pas vu, j'ai Jérémy qui m'a envoyé un message, malheureusement je suis pas sur mon téléphone. Jérémy qui m'a envoyé un message pour passer au micro, je lui ai répondu qu'il pouvait venir avec grand plaisir. Et c'est parti pour le run numéro 2 entre Mathias Locatelli et Armindo Martin. C'est très très bien joué de la part des deux pilotes. Pour l'instant les lignes sont extrêmement bonnes à part le keeping numéro 4. Et la proximité est entretenue par le pilote Bruno Bois au volant de sa 92. Aïe aïe aïe, ça va vite et fort.
Est-ce que l'on a un vainqueur sur cette bataille? Ouais, on peut les applaudir. Mais c'est une victoire de Mathias Locatelli. Et la 350Z bombarde bien, mais on va dire aussi hein, là que la E92 aussi. Hein, on est tous les deux sur des setups de 1000 chevaux, on va pas se mentir. Donc forcément, elles ont le feu. Elles chauffent un petit peu d'ailleurs, à 34 degrés dehors, ça chauffe un peu. Que ce soit les voitures, les pilotes et même nous dans le public. La GT86 est présente, un duel de japonaises en perspective, j'aime bien voir ça. Et un duel au sommet pour un top 8, Antoine Amard d'un côté, Axel François de l'autre. Un duel d'énervé, on va se le dire franchement, c'est un duel d'énervé, Nervous d'un côté, Ninja de l'autre. J'ai hâte de voir ce que ça donne et top départ. Déclenchement, Axel François qui est suiveur sur ce run, qualifié un petit peu moins bien qu'Antoine Amard. Antoine Amard déjà sur le clip 2 à très large, mais Axel François lâche pas. Antoine Amard clip 4, et ben c'est mitigé pour le moment hein. Difficile de tenir la cadence pour Axel François, c'est mitigé. Je m'attendais à plus d'intensité encore sur ce run là, c'est certes magnifique. Déclenchement parfait. Transfert ici, il élargit bien, c'est plutôt joli. Clip 3, en transfert clip 4. Changement de position, clip 5. On attend avec impatience le run numéro 2. Là, Tchouf, des problèmes de transmission. Mais attends, Tchouf qui a cassé la transmission là. C'était pas un cardan, parce que je pense qu'avec un cardan cassé, il aurait fait demi-tour. J'ai peur que l'arbre de transmission ait pris cher aussi. Oh, c'est beau. On entend le drone et on le voit passer. Full angle, un petit, ça tremble un petit peu cette caméra. Et c'est parti, top départ. Et déclenchement, Axel François, Antoine Amard, suiveur, Axel François, clip 2, Antoine Amard qui cut un petit peu sur l'ensemble du tracé, c'est un peu dommage de voir ça là, je ne sais pas ce que ça va donner. Ah, c'est mitigé, super proximité au clip 5, 4, pardon, mais et ben franchement, je vais demander une explication à Billy là, parce que je suis super mitigé. Super mitigé. Les replays by Zeknova, partenaire hein, de ce championnat hein, pneumatique ultra important dans toute discipline de sport automobile. Il faut tout de suite s'enlever l'idée qu'on a besoin de pneus qui glissent. Il faut tout de suite s'enlever cette idée-là. On utilise des pneus semi-slick, des pneus qui accrochent énormément pour aller le plus vite possible. Avec des pneus de mauvaise qualité, des pneus qui glissent, on va pas vite. Avec des pneus qui grippent, on va très vite. Et c'est ça l'objectif. Et c'est une victoire d'Axel François!
Et oui, Tom, victoire d'Axel François. Je suis désolé, j'avais plus de retour dans mon casque, hein, je ne t'entendais plus. Victoire d'Axel François, oui, il a fait de grosses erreurs, Antoine Amar, en tant que suiveur, hein, on a pu le voir. Oui, c'est vrai. En tant que leader, au clip numéro 2, là, il est un petit peu large. Axel lui met la pression. Il conserve la ligne d'Antoine. Sur le second run, Antoine, il est complètement déstabilisé juste après le déclenchement. Hop, on va le voir. Voilà. À partir de là, ça va. Et à partir de là, ça ne va, ça plus. Va plus. Il est complètement intérieur. Axel respecte la ligne qualif. Sur le clip numéro 3, c'est zéro pour Antoine. Hein. Ah oui, c'est carrément zéro. Ah oui, c'est un 10-0. Et là encore, ce serait même presque un deuxième zéro. D'accord, ok. Voilà. Merci pour désolé pour Antoine. Et c'est Axel qui va en faire. Félicitations à Axel. Ouais, rendez-vous en demi-finale. Demi-finale pour Axel François, top 4. Et merci à Doudou qui nous partage le hashtag du moment. C'est hashtag équipe21, hashtag CFD à la TV. Voilà, si vous le voyez écrit, n'hésitez pas à refaire la même. J'ai une nouvelle extraordinaire à vous annoncer. Mais écoutez bien, parce que là, c'est ouf. Avec la défaite d'Antoine Amar à l'instant, Antoine Amar est toujours leader du championnat de France de drift, au classement général. Si Jason signe une première place ou une deuxième place, en gros, s'il va à la grande finale, il passe premier au classement général. Donc il va y avoir un changement au classement général si Jason Bannet passe à la grande finale. On va le savoir dans deux battles, donc dans très peu de temps. On va le savoir dans très peu de temps. Top départ. Rocci, Perrottet, Rocci leader, Perrottet suiveur. On sait que Perrottet et Rocci, c'est deux pilotes qui adorent faire le show, qui aiment bien les battles. C'est vraiment l'endroit où ils sentent le plus à l'aise. La preuve ici, hein, la ligne est bonne et les trajectoires sont belles. La proximité l'est également jusqu'à la ligne d'arrivée. Ouais, pensez à liker la vidéo, vous êtes 4000, effectivement, c'est gentil, 4000 personnes et malheureusement que 700 likes, c'est juste glisser le doigt sur le pouce bleu, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, vous êtes dessus depuis longtemps, pensez au moins juste à nous lâcher un petit like, c'est super important en fait, c'est ce qui nous permet d'avancer aussi, c'est ce qui fait tourner le monde des médias aujourd'hui, on va pas se mentir, donc ça coûte 0€. Et ça rendrait pas mal service à tout le monde, donc n'hésitez pas. On peut largement dépasser les 1000, 2000, 3000 likes. On sait faire sans aucun problème. Run numéro 2, c'est parti, le run retour. Anthony Rocci qui va être à la chasse de Michael Perrottet. Il chasse plutôt bien Anthony Rocci pour le moment. Clipping numéro 3, ça rupte dans tous les sens. Clipping numéro 4, le transfert ici. Très belle synchronisation et très belle proximité de la part du pilote de la BMW E30. Super transfert sur le dernier virage. Très intérieur pour Anthony Rocci. Très belle ligne de Michael Perrottet. Thank you.
À mon avis, The Kiev, tu vas peut-être louper les points de qualif. J'ai vu qu'il y a des pronos et des gens qui calculent les points. Je pense que tu as peut-être oublié les points qualif. Alors, ils sont là les deux pilotes. Ils sont... Vous avez vu l'ambiance qu'il y a entre les pilotes dans ce championnat, ça fait... Moi, c'est ce qui me fait toujours rêver dans cette compétition, malgré 10 ans. Victoire Anthony Rocci! Moi, ça me fait toujours plaisir de voir cette complicité qu'il y a entre énormément de pilotes. Si vous avez eu l'occasion d'aller dans beaucoup de compétitions automobiles, beaucoup de rallyes, n'importe quelle compétition, il y a très peu d'entraide entre les pilotes. C'est vraiment chacun pour sa tronche. Là, si vous venez voir un championnat de France de drift et vous passez dans les paddocks, vous verrez que c'est vraiment différent. Top 4, il s'affiche sur notre écran maintenant. Jason Banet va affronter Mathias Locatelli. Honnêtement, c'est une finale avant les finales. Et Anthony Rocci sera contre Axel François. Ça aussi, c'est une finale avant la finale. Peu importe ce qui va se passer, je vous annonce un spectacle de malade pour le top 4 et pour la petite finale et la grande finale. Punchliner qui nous envoie un petit don, merci à toi, et il pose la question: à quand les paris sportifs sur le drift? Écoute, c'est une idée qui nous trotte dans la tête depuis longtemps, c'est pas facile à mettre en place, et promis, on l'envisage de le faire. Merci en tout cas pour l'info. Je vous propose de se retrouver après une petite page de publicité, les amis, histoire de mettre en place les pilotes sur la Startline. A tout de suite. Et de retour en direct avec mon ami Jérémy. Jérémy, vas-y, décale-toi un tout petit peu, voilà. Là. Voilà, on n'avait pas le retour. Salut Jérémy. Eh ben salut, ça va? Casse-méca. Ouais, casse-méca. Encore un petit pont. Ouais, un pont cette fois-ci. Ouais. Donc toute la transmission y est passée ce week-end. Exactement. Les cardans, la transmission, les ponts. Eh ben écoute, je te propose de rester un petit peu avec moi pour la suite de la compétition. Ouais. Il reste quelques runs, notamment Jason, voilà, qui va s'élancer là maintenant dans quelques instants face à Mathias Locatelli. T'as un prono toi ou pas? Il y a pas de prono, c'est deux fous et ils sont techniquement au top les deux. Donc en fait, ça va être, je pense, que ça va être une grosse battle. Il y a pas de prono possible, hein. Non, honnêtement. Après, j'ai envie de te dire Jason, forcément, tu vois, parce que ben voilà. Mais on peut pas savoir. On peut pas, ouais, bon, effectivement. On saura jamais, de toute façon. Et même si on imagine qu'un pilote ou tel pilote a plus de facilité que l'autre, le drift, c'est absolument jamais joué tant que la ligne d'arrivée n'est pas passée pour les deux pilotes. On l'a vu, toi, t'as cassé fin de tracé. Ah, 10 mètres de la ligne. Ouais. 10 mètres de la ligne, ouais. Exactement. 10 mètres de la ligne, ça fait assez proche. Bon, c'est mieux que les qualifs quand même. Hein, parce que les qualifs, t'as cassé à 2 mètres de la ligne, mais de la ligne de départ. C'est mieux. Pas les qualifs, que pardon. Tout le reste du week-end. Essais, ouais. Voilà, clairement. C'est mieux que le reste du week-end. Bah écoute, oui, effectivement, tu m'as envoyé un petit message il y a quelques heures. Il y a quelques heures déjà, en fait. Il y a quelques heures, mais vu que je suis pas sur le téléphone, bien entendu, j'ai pas pu
Le roi. Là, ça va être la guerre, hein. Tu sais ça. Là, ça va être la baston. Ah, là, ouais. Ça va être la guerre. Ça va être la baston. On a donc sur l'écran à gauche, le leader, c'est Jason Bannet, qualifié premier, poleman ce week-end. Et Mathias Locatelli, qualifié cinquième. Et top déclenchement du coup de Jason Bannet, Mathias Locatelli qui va essayer de garder la cadence. Hein. Et Jason qui tient le coup, qui est très rapide, mais qui se fait suivre hein, par Mathias. On a dit que ça allait être la guerre, et c'est la guerre. Il le lâche pas du tout, tu vois qu'il élargit pas Mathias. Ouais, il élargit pas, ils ont été un petit peu loin du clipping numéro 4. On n'était pas en train de lécher la barrière, mais Mathias derrière, il a fait le job, il a gardé la ligne du leader. Ça se passe comment dans ta tête à ce moment-là, à ce moment-là de la course? Bah, il se passe plein de choses avant que tu démarres en fait. Et une fois que tu es dedans, je crois qu'il se passe plus grand chose. Tu regardes les clips et puis faut y aller quoi. En termes de suiveur, tu la vois comment toi l'anticipation? Parce qu'en fait, les gens, je sais pas s'ils imaginent le degré d'anticipation que tu dois avoir sur un transfert. Ouais, t'es obligé de faire tes transitions. Si tu veux être bien en fait, faut faire les transitions un tout petit peu en avance. Donc en fait, c'est avoir repéré aux essais, etc. Avoir le bon timing, savoir quand on va se faire la transition. Si possible, un peu connaître aussi avec qui tu roules. C'est pour ça que quand les gars avec qui tu roules se connaissent, quand tu connais la personne, c'est toujours mieux. Tu as toujours des plus belles battles parce que tu sais quand il va faire ses transitions, tu le connais, tu sais comment il roule et tout. Et ça te permet d'anticiper un petit peu. Et quand tu arrives à anticiper, tu arrives à revenir dans la porte beaucoup plus vite. Tu as fait ta transition juste avant, tu as remis gaz juste avant lui et tu reviens tout de suite dans la porte. Ouais, c'est un énorme travail. Anticipation, je sais même pas si le mot est assez fort pour te dire à quel point tu dois vraiment prévoir ce que l'autre va faire. Je sais qu'il y a certains pilotes qui essayent de regarder à travers la fenêtre du leader pour essayer de voir au moment où il va faire le petit coup de volant pour jeter la voiture. Ouais, c'est chaud. C'est chaud ça. Ouais, quand il y a beaucoup de fumée et tout. Non, vraiment, anticipation, c'est vraiment le mot. C'est, enfin, pour moi, vraiment, l'anticipation, c'est une grosse partie du drift, en tout cas en compétition. Ah ouais, ouais, en battle, ouais, effectivement, il n'y a pas le choix. Après, en tant que leader, est-ce que tu subis facilement la pression du suiveur ou franchement tu t'en fous, t'es sur ta ligne qualif, t'es sur ta ligne qualif, Zob, enfin, pardon. Lâche-toi, vas-y. C'est vrai, excuse-moi. Non, je pense qu'il n'y a pas de... C'est chaque pilote en fait a sa vision des choses là-dessus. Moi, je t'avoue que je regarde pas dans mes rétros, en général je les dérègle quand j'en ai. Ouais, pour pas regarder. Voilà, la seule chose qui peut te troubler un petit peu, c'est quand vraiment t'entends... le moteur d'à côté qui est en train de te souffler dans l'oreille. Donc là, tu as l'info, tu sais qu'il est là. Et ça te motive en fait à y aller plus. Et après, tu peux subir la pression. On va voir si Mathias, il entend le moteur de Jason. Bon, l'avantage, c'est qu'il est assez bruyant. Donc on a facilement tendance à l'entendre. Pour l'instant, il l'entend plutôt bien. Le transfert un petit peu. Oh là là, Mathias Otakani qui s'extériorise et qui lève une roue au clipping numéro 2. Clipping numéro 3 passé sans problème pour les deux pilotes. Et même erreur à chaque fois sur le, deux, ouais. Sur le deuxième passage, sont loin du clipping numéro 4. Oh le dive! Oh le contact! J'ai l'impression qu'il y a eu contact entre Jason Bannet et Mathias Locatelli. Il y a eu contact ou pas? Il y a moins qu'il y a eu contact. On a vu Jason, il a bien ralenti. En tout cas, c'était un dive de l'espace là. Ouais, ouais, carrément. Carrément, c'était un très très beau dive et il s'est jeté dessus. Il s'est jeté comme un fou sur le leader. Alors la suiveur elle est là, la run numéro 2 elle est à droite de notre écran. On a vu Mathias qui s'est extériorisé un tout petit peu en dehors du tracé, hein, pas dans le trou mais juste assez pour lever une roue. Et on va revoir le dive, on va voir s'il y a eu le contact. Ouais, c'est difficile à part. Ah, c'est dur là. On sera sur la carrosserie mais... C'est dur, il y a presque, j'ai l'impression, le même nombre d'erreurs des deux côtés. Ah oui, alors à ce niveau là de la compétition, moi, j'arrive absolument petite erreur, ouais, en fait. J'arrive ça, absolument plus à distinguer. Avec les années, quand même, l'expérience que l'on a. Ah, tu vois, t'as Mathias qui va les sortir. En fait, ça te ralentit. T'es obligé de freiner à mort derrière. Là, t'es obligé de freiner à ce c'est moment. Ça. Et en fait, quand ça fait ça, ça commence à faire l'accordéon. Et ça, c'est compliqué après. Ah ouais. Merci à Kaji qui demande à Étienne Moustache aussi de venir au micro. Bah écoute, peut-être qu'un jour il viendra s'il a envie. On lui proposera. Pour la finale. On lui proposera. Et c'est une victoire de Jason Bannet. Victoire de Jason Bannet. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Je sais pas si tu as entendu, mais selon les pronostics de mon patron qui est juste dans ce camion là, si Jason passe premier ou deuxième, ce qui est forcément le cas maintenant, il passe leader au général. Ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Donc on a Jason qui va affronter l'un des deux prochains pilotes. Mais bonne nouvelle, on va retrouver Mathias Locatelli en petite finale. C'est ça aussi le drift. Contre qui là?
Et ben on va le retrouver soit contre Axel François, soit contre Anthony Rocci. On va laisser la battle, la arrive, battle se faire. Alors petite info Tom, hein, je te coupe deux secondes. À ce moment de la course, Jason Bonnet prend la tête du championnat de France devant Antoine Amar au niveau des points. C'est gentil, merci. C'est ce que je viens de dire, mais c'est gentil, merci. Eh ben impeccable. Non mais écoute, est-ce que t'as une différence de stress toi quand tu es en top 32 et quand tu arrives là à ce niveau-là, c'est-à-dire en top en top 4 petite finale, est-ce qu'il y a vraiment une différence mentale? Je parle de toi. Hein. Alors comme tu l'as dit, dire, y a plein de pilotes, c'est différent. C'est ça, je te parle réellement de toi. Moi je t'avoue que je suis moins stressé quand j'arrive là que au top 32. Parce que si tu sors au top 32, vraiment tu mets un gros coup sur ta saison. Ouais, c'est vrai. Alors que quand tu arrives là, tu vois, en finale et tout, tu sais que déjà tu vas aller au podium, tu vas rigoler avec tes potes au podium, ça va être trop bien, bonne ambiance et tout. Moi, j'avoue que premier, deuxième ou troisième, une fois que tu sais que tu vas au podium, tu sais que ça va être cool, tu sais que tu vas faire la fête et c'est un bon week-end. Okay. Donc, je t'avoue que j'ai moins de pression, plus j'avance, moins j'ai de pression. Ça, c'est une bonne, c'est un bon état d'esprit, effectivement. C'est, ce qui fait aussi peut-être que je fais souvent des bêtises en finale. Ouais, après il y a la fougue, je pense qu'il y a la fougue qui joue pas mal, mais c'est l'esprit qu'on aime bien aussi dans le drift, on va pas se mentir, hein. C'est des gars comme ça qui aiment bien aller chercher même les limites, que ce soit en petite finale ou en top 32 quoi. C'est ça. Même contre un mec qui va deux fois moins vite, il va chercher les limites. Axel François justement, est-ce qu'il va aller chercher les limites avec Anthony Rocci? Anthony Rocci qui va suivre et tenir la cadence avec la GT86. Pour l'instant c'est un tout petit peu, pas compliqué mais c'est pas ultra proche non plus. Clipping numéro 4 validé pour les deux pilotes. Clipping numéro 5 qui va chercher peut-être la barrière. Ça va vite. Pour l'instant, c'est un beau run. C'est une très belle battle de la part des deux pilotes. Parce que dans tous les cas, c'est sur la même ligne. Mais on va revérifier si on voit éventuellement quelques petites erreurs. Mais après, ça, c'est le boulot des juges. La ligne est belle en tout cas. Tu vois, on a le leader qui est vraiment bien. Je sais pas ce que tu penses, mais Anthony, il est bien dans la ligne en tout cas. Il est rapide, c'est propre. Il n'est pas door to door comme on dit, mais il est dans la ligne. Ouais, il y a un petit espace, il y a une bonne voiture d'écart. Ouais, il y a de quoi gratter un petit peu pour Axel François sur le run numéro 2. Après, c'est deux gars qui sont vraiment rapides. Ouais, deux gars et deux voitures très très rapides. J'ai une question d'ailleurs, ça t'a fait quoi de passer toi un jour du pneu de tourisme, du pneu classique que tu mets sur ta bagnole, à du semi-stick qu'on a le droit de mettre sur sa bagnole mais qui clairement a un grip de fou? Ah ouais, quoi. C'est incomparable. Bah, déjà, t'as la constance du pneu en fait. Le pneu il grippe beaucoup plus, ça c'est sûr, mais il a un grip qui est vraiment constant du début à la fin. Alors qu'un pneu de tourisme en fait il surchauffe super vite, il part en morceaux des fois et ouais, il est vraiment pas constant. Vers la mesure du pneu, ça commence à être un peu n'importe quoi. Et surtout, tu as la motricité. T'es collé au siège alors que t'es en glisse. Ouais, ok. Ah, donc, ouais, c'est clairement un gros cap de passer, passer de l'un à l'autre. Bah là, on est sur deux pilotes qui roulent avec les partenaires du championnat de France. Oh, attention, Anthony Rocci qui vient de sortir un peu trop large ici. Ouh là 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 là. Il y a un mort de l'extérieur. C'est dommage, tu vois, sur la caméra, on voit pas s'il y a casse ou pas casse. Ouais, il n'y a pas forcément grosse casse, peut-être parce que c'est pas trop profond. Hein. Mais bon. Ouais, mais il y a impact quand même, quoi. Ouais. Je sais pas si c'est ici. Non, c'est sur l'autre virage que Grip Generation, Damien Fréchet avait tordu l'amortisseur. C'est pas sur le premier. Mais là, dès qu'on extériorise ici, c'est fini. Hein. Si on est à peine dehors, c'est mort. Ouais, des fois, tu peux mettre une roue. J'ai mis une roue tout à l'heure au qualif. Ouais. Tu dis que là, si tu lâches, c'est fini, quoi. Mais si tu mets deux roues, c'est mort, c'est fini. Ah si, oui, ah ouais. Deux roues là, c'est fini. Deux roues, mais en plus, c'est un zéro pointé. Un petit contact. Il y a eu un petit contact juste avant. Oui, effectivement, Thomas, il y a contact entre les deux pilotes. Hein. On va revoir justement, mais merci. Merci à Jérém qui m'a fait la remarque. Sur le transfert. Ouais. Ah oui, sur le transfert. Un petit bout de pare-choc. Est-ce que ce genre de contact, ça se ressent beaucoup dans la direction? Ouais, t'es à un moment critique, t'es en plein sur la transition. C'est un moment où si t'es déstabilisé et un tout petit peu poussé, quelques kilomètres heure, même pas 2 km heure, tu vois, ça peut te faire faire 2 mètres de plus, quoi. Donc je sais pas si là c'est le cas, mais sur une transition, c'est vraiment sensible. C'est vraiment sensible.
C'est vraiment sincère. Quand t'es sur ton angle et qu'on vient de pousser un petit peu, bon bah. Au pire, tu prends un peu plus d'angle si t'as un petit peu de marche. Ouais, devant. Tu vas élargir un petit peu, c'est pas dramatique. Mais c'est vrai que sur une transition comme ça, alors je sais pas si c'est le cas là, mais ça peut être vraiment délicat parce que c'est. En plus, c'est vraiment une transition, c'est deux virages qui sont assez serrés. Là, ça se resserre vers la gauche vraiment fort. Faut mettre beaucoup d'angle, faut vraiment mettre beaucoup d'accélération et de motricité pour ressortir. Donc, ouais, c'est possible que. Ah, c'est possible que ça fasse le job pour l'envoyer dans le décor. Quoi. On a eu un très beau transfert tout à l'heure d'Axel François où il y a derrière Guigui, les deux pare-chocs. Ouais. Derrière Guigui, les deux pare-chocs se sont touchés, mais de manière juste parfaite. Il n'y a pas eu de mouvement, c'est juste les pare-chocs qui se sont léchés. Vraiment très très beau. C'est juste les pare-chocs qui se sont léchés. Je pense que les juges sont en train d'analyser ce que tu dis. Ouais. Est-ce que le contact a réellement déstabilisé? Ah, file des pannes. File des pannes. File des pannes. Le roi de la dépanne. Qui mériterait un petit coup de klaxon quand même. Je crois, ouais. Malheureusement, il ne nous entend pas, alors pour la remontée, est-ce que c'est Anthony qui remonte là? J'ai l'impression que oui. Et les replays, bah, Zeknova, je crois que tu roules en pneus Zeknova, toi. Exactement. Ouais, partenaire, ça fait longtemps que tu roules avec ces pneus-là? Ouais, ça fait quelques années, je crois. Ça va faire 4 ans. Hein. Ça va faire 4 ans. Ouais. Et puis c'est cool, c'est intéressant, ça évolue en plus petit à petit. On travaille sur des nouveaux pneus, on essaye des choses. Et le pneu, c'est vraiment un truc qui paraît simple et qui est vraiment complexe et important, c'est le premier contact que tu as. C'est le premier contact que tu as avec le sol et moi j'ai le souvenir, j'ai eu la chance d'aller chez notre partenaire à Torque Drift School sur les 370Z. Ils ont des pneus Semistic Zeknova sur les 370Z. Et alors c'est sur le mouillé qu'on fait les apprentissages comme ça, mais c'est une très forte mise en confiance je trouve par rapport à un pneu qui glisse énormément. Parce qu'on est beaucoup plus en confiance, on va pas partir chercher l'extérieur du virage sans faire exprès, on va se freiner plus facilement sur l'angle, on va plus facilement maîtriser la voiture. T'as bien meilleur contrôle. En fait, même si tu es un peu gourmand, tu arrives un peu vite, en fait tu vas juste mettre de l'angle et la voiture elle va se freiner un peu toute seule. Si tu remets du gaz, tu vas avoir de la motricité qui va te sortir un peu du virage et t'as un bien meilleur contrôle, tu subis beaucoup moins la caisse en fait. Donc, quand tu t'habitues au semi-slick et que tu repasses sur des pneus routiers un peu plus classiques, faire gaffe, tu peux vite te faire piéger. Ouais. Ça m'est arrivé récemment. Ça t'est arrivé. Ça t'est arrivé récemment. Avec une 350Z, non? Non, c'était pas une 350Z. Mais je dirais pas avec quoi. On veut pas savoir. Et moi j'ai une question pour Jérémy. Ouais. Est-ce que tu as créé des infinités avec Phil au fil du temps là? Écoute, avec Phil Dépanne, on est de plus en plus proche, t'avoue. C'est ma deuxième maison, sa dépanneuse. Donc je prends beaucoup de plaisir à passer du temps avec lui à chaque descente. Oui. Et je pense que lui aussi. Hein. Tout à fait. On a la caméra sur nous qui chauffe un petit peu trop. Mais je comprends, je ne sais même pas comment tu fais parce que en fait je suis en train de fondre sur place. Hein. Alors, mais là c'est fin de journée si tu veux, c'est depuis une heure qu'on a le soleil, sinon qu'on a le soleil ici, depuis une heure et demie. Mais sinon, toute la journée, on avait l'ombre de l'arbre qui était juste à côté. Mais on est pas trop mal, on est pas trop mal quand même. Oh, on est bien quand même. Il fait 34 degrés, on est au soleil. Si tu nous suis sur les réseaux, on était censé être dans le. Il y a juste derrière, il y a une toute petite remorque qui fait à peu près 2 mètres. J'étais venu vous voir il y a 2 ans dans la remorque. Oui. Ouais. Voilà, je me suis dit, si c'est là-dedans, moi j'y vais pas en fait. Puis on a une super vue sur Romain Fournier, notre directeur de course. Exactement. Et ça fait plaisir. Prendre les infos et donner les infos sur la piste. Moi j'ai parlé des partenaires Zeknova, mais on a aussi un autre partenaire pneu, c'est Zestimo qui fait aussi des pneus semi-slick, bien entendu homologués, c'est-à-dire qu'on peut les utiliser pour nos véhicules, on peut les utiliser... Ah. Qu'est-ce qui se passe? J'entends le public. Pourquoi ici? Ils sont chauds de ouf à Calmont, hein. Ils sont chauds. Cette année je pense que en termes de public... Je pense qu'en termes de public, on a les publics les plus chauds de l'année. Ah mais à Calmont, c'est des jobards. Et là, cette année, ils sont vraiment énervés. À Val-d'Argenton, ils étaient énervés. Bref, c'est une saison et j'attends le Val-de-Vienne avec impatience. Ah bah là, ça va être la finale. J'attends le Val-de-Vienne avec impatience parce que... Si on tombe sur les mêmes phénomènes qu'ici et les mêmes phénomènes qu'au Val d'Argenton, il y a moyen que ça soit assez. Alors, est-ce qu'on a un problème avec Axel François aussi ou pas? Non, juste discute. Ah, je pense qu'il parle de l'action qui s'est passée. Ouais, certainement. Ils sont peut-être en train de discuter de ce qui vient de se passer. Ouais. Mais je sais pas si de l'attention ou si tout va bien. Oui, voilà, c'est après, ça. Après, t'as le public qui est tellement chaud, tu sais,
Oui, ça attise. Ça attise, ça attise un petit peu. C'est vrai qu'après, des fois, quand t'es dans le feu de l'action comme ça, on est rempli d'adrénaline. Des fois, tu sors de la voiture et pendant deux heures, t'es encore à fond. Sur les nerfs. Bah ouais. Sur les nerfs. Que ce soit dans le bon ou dans le mauvais sens, quoi. Ça peut être bon comme mauvais. Ah, il y a des bas. Il y a des bas, on va. Il y a des bas. Il y a des bas. Clairement. Tant qu'il n'y a pas des baffes, tout va bien. Ouais. C'est bon. Ça, c'est bon. Là, on parle du contact qui a eu lieu. Est-ce que... Voilà, regarde, tout va bien, ils se font des câlins. Il se peut qu'Axel François n'ait pas senti le contact sur son transfert, tu penses que c'est possible? Ouais, ça, bah, après le but, c'est vraiment, c'est notre but de faire un transfert au plus proche du pare-choc arrière, du gars qui est devant. Donc des fois, bah, tu peux aller toucher, tu peux aller frotter, tu le sens pas forcément. Tu le sais pas, en fait, tu vas le savoir si tu arraches ton pare-choc ou si t'arraches tout seul. Si t'arraches un des deux, quoi. C'est ça. C'est sur un arrachement, on sait sur un arrachement. Mais c'est particulier d'atterrir, de perdre sur... Ça t'est déjà arrivé, toi, de perdre sur une casse mécanique de quelqu'un d'autre? Sur une poussette de quelqu'un d'autre? Ouais. Je me souviens. À Calmont, par exemple. Ah oui. Mais... Et bah, oui, pas pour... avec Axel France aussi, je crois, non? Et c'était ça? Voilà. C'était ça, ouais. Ouais, ouais. Okay. Mais c'est des choses qui arrivent, après. Ouais, ouais, c'est des choses. C'est effectivement la compétition. De toute façon, c'est pas toujours tout beau, tout rose, dans le sens où, et bah, des moments, il y a des casses. Aujourd'hui, c'est pas forcément juste. Voilà, t'as pété pas mal de fois. Et bah, c'est quoi les projets sur la transmission ces prochains mois, d'ailleurs? Écoute, il va falloir regarder d'où ça vient. Il y a peut-être un problème, mais... Alors, attends, il y a peut-être un résultat, là. Oui. Qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Probablement un résultat. Et c'est une victoire d'Anthony Rocci. Je sais pas ce que Billy va nous dire, mais je pense qu'il y avait bien contact. Eh ben, Billy, je vais te laisser répondre un petit peu sur cette battle. Oui, effectivement, Tom. Eh ben, écoute, on va revenir dessus. Avec Nuno, on considère que c'est le contact d'Axel François qui a poussé Anthony Rocci à la faute, à sortir. Et Graziano lui considère que Anthony Rocci était déjà en perdition quand il est sorti et que le contact n'a rien à voir. Mais quand on voit sur la vidéo et surtout la vidéo du drone, on voit bien que le contact pousse Anthony Rocci dehors. Enfin, en tout cas, pour moi et Nuno, après on a chacun chacun une voix à donner. Nuno et moi l'a donné pour Tony Rocci et Graziano l'a donné pour Axel François. Ok, très bien. Bah, écoute, merci pour ces explications, Billy. Ce que je vais faire, je vais faire la petite finale. On va faire la petite finale ensemble. Allez. Et la grande finale. Après, je vais descendre avec le micro. Et donc, moi, je vais aller mettre au milieu de tous ces jobards de public qui sont vraiment trop chauds ce week-end. J'ai trop envie d'aller en profiter avec eux de la finale. On va faire la même chose. J'ai envie de les faire crier tout à l'heure. On va les faire crier là. Est-ce qu'ils sont vraiment, vraiment opérationnels? Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, les amis. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Tout n'est pas fini pour les deux, pour tous les pilotes en ce moment. On va retrouver Axel François face à Mathias Locatelli sur la petite finale. Et on va retrouver Jason Bannet face à Anthony Rocci sur la grande finale. Regardez, ça s'affiche sur notre écran actuellement. C'est du lourd, là, ce qui arrive quand même. C'est du lourd. C'est du lourd parce que l'année dernière, bah, t'as fait le champion de France et champion de France en titre cette année. Honnêtement, on va pas se mentir, cette année, ça me paraît un peu plus compliqué d'accéder au titre. Honnêtement, je pense que depuis le premier week-end, c'est un peu compliqué. Ouais. En fait, les saisons sont assez courtes. Oui. En drift. Ouais, carrément. Du moment où t'es sorti sur un top 32, ça devient très compliqué. Et si ça arrive plusieurs fois, c'est mort, clairement. Donc, après, c'est cool, tu vois, je suis content déjà de l'avoir eu l'année dernière. Je t'avoue que j'aimerais bien que Jason l'ait cette année. Ouais, carrément. Mais l'important, c'est vraiment que le championnat, tous les ans, il est de plus en plus fou, en fait. Ouais, il y a le niveau qui monte, il y a le public qui... Déjà, c'est sold out, quoi, ça. Ouais, c'est sold out Il y a de plus en plus de monde. Il fait vraiment chaud, hein. Oui, il fait chaud, vraiment. T'as le droit, vas-y, tu peux. Ah ouais, merci, regarde ça. Mon t-shirt, oui. T'as de plus en plus de monde, l'ambiance, elle est complètement folle. Puis après, tu vois qu'il y a un petit peu des groupes qui soutiennent tel pilote. Oui, tel pilote, ouais, j'avoue que c'est rigolo. Si, c'est marrant quand même. C'est marrant, ouais, après, dans le live, tu vois, ils sont un peu vénères, mais on sait qu'en vrai, c'est tous des bisounours, ils sont gentils. Oui. Mais c'est Internet, on sait comment ça se passe. On adore ça, nous, on a grandi avec ça. Donc merci de nous suivre, vous êtes 4500 direct juste sur YouTube. C'est propre, ça fait juste du sur monde. YouTube, ça fait du monde. Ça fait du monde. Ben, j'en profite pour relancer deux choses. On approche de la finale. On était à très peu de devenir la première communauté de drift
enfin de drift, la première communauté pardon, en termes de championnat France ouais. sur Insta. On était à deux doigts de devenir la première communauté. Et donc, on y est pas là On était à 700 tout à l'heure en début ouais. d'après-midi. Il manquait 700 personnes. Bon, bah, peut-être qu'ils vont faire quelque chose. On est 4600 dans le live. Ça veut dire, honnêtement, sur les 4600, je suis sûr qu'il y en a plus de 1500 oui. qui n'ont pas encore liké à la page Drift France. Voilà. Et il y a un autre challenge pour tout le monde ce week-end, c'était d'écrire, tu vois, et ça passe là, équipe 21 et CFD à la télé. Ouais. Ce matin, on a relancé un petit peu Julien Fébreau, ouais. Qui nous a répondu. D'ailleurs, merci Julien à lui. Qui est super sympa, qui a participé d'ailleurs. Oui, il y a quelques années, t'étais déjà là. Non, moi j'étais pas, je savais pas que ça existait encore le drift. Je savais pas que ça existait ouais. à l'époque. Et ben oui, Julien Fébreau qu'on a eu la chance de voir à Essay et à Lédenon. On l'a eu deux fois. À Essay et à Lédenon, sur le circuit d'Essay et circuit de Lédenon. Donc dans le nord de la France. Il faut qu'il revienne, ça veut dire. Bah écoute, bienvenue pour revenir. Ouais, je pense qu'il faut qu'il revienne. Vraiment. Bienvenue pour revenir. Mais du coup, on a lancé à la suite de ça, on a lancé le hashtag équipe 21 et CFD à la télé. Pour qu'ils comprennent un petit peu le message que. Ah, c'est le message, c'est que c'est pour que ça passe à la télé. Ah bah oui. Ah bah ça serait bien, je pense que ça ferait plaisir à tout le monde. Parce qu'on est d'accord que la pétanque c'est super bien. Ouais. Mais c'est quand même moins intense qu'une compétition de drift. Moi j'ai l'impression qu'il y a plus de monde en compète de drift qu'en compète de pétanque. Mais je t'avoue que je fréquente pas trop les compètes de pétanque. On ira un jour. Vas-y, chaud. On amène Étienne Moustache. Je suis sûr qu'il va kiffer. Allez. Merci à Kizou pour le petit message. Qui est pour le don sur YouTube, bien sûr. Hop là. Je regarde, il demande de faire passer un message, devient n'importe quoi. Là. Bah plus il y a de monde, plus ça va être n'importe quoi les lives. Hein. Forcément. Mais on est content de vous avoir trop nombreux. Alors, on a des modos. Ouais, mais t'as vu le boulot qu'il y a parce que regarde. Mais il y a du monde, forcément. Ça tabasse. Et puis t'as les trolls sur internet, ça divertit, donc tu réponds un petit peu. Moi j'avoue que j'aime bien. Alors, depuis pas mal de temps, on n'a plus de marabouts. Ah, pas de marabout ? Non, j'ai pas vu de marabout sur. Tu vas lancer un hashtag Non. non, clairement pas. Mais pendant une bonne période, je sais pas si au début de cette année ou en tout cas au début de l'année dernière, ouais. On avait une grosse période où tu pouvais trouver l'amour si tu veux. Ah bon ? Ouais, ils faisaient les vitres aussi, réparaient ta bagnole. Ah oui, il y en a qui réparaient des Audi par téléphone. Et il te prédisait ton avenir sur les 10 prochaines années. Eh ben, moi, ce que je te propose là, c'est boire un coup. Ouais, mais je suis en train de fondre. Voilà. Donc moi, je vais te laisser, tu vois. Allez. Je vais aller rejoindre le public là-bas. Rejoins ton équipe et le public. Exactement, je vais aller mettre avec tout le monde là-bas, ça va être cool. Ok, bah nous, on laisse quelques minutes au pilote pour se rejoindre, pour nous rejoindre sur la start line. Et on se rejoint après une petite page de publicité, voilà, assez courte. Et on se rejoint juste après, on en profite pour boire. Voilà, regarde, merci Jérémy. Je te laisse ça, c'est cadeau. Merci, ciao.
Et c'est parti, on est de retour du coup en direct. Merci à Jérémy de m'avoir accompagné, c'est super cool. Et merci du coup à DK Custom qui encourage Jason et Tchouf d'ailleurs avec son don. C'est parti, top départ pour la petite finale. Elle est là devant nos yeux avec Mathias Locatelli et Axel François qui est déjà à l'attaque hein, sur cette première partie du tracé, deuxième partie de tracé, c'est emballé pour les deux pilotes. Mathias Locatelli qui a un petit peu d'avance sur Axel François qui corrige un petit peu sur le clipping numéro 4. Est-ce que ça va laisser de l'avance au pilote bordelais? Bonne question. Ouh là 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 là. Le replay by Zecno, Zecnova Tires, performance Tires. Allez, la finale, la petite finale, elle est là. La petite finale nous permet de définir qui va monter sur la troisième marche du podium et qui malheureusement arrivera au pied du podium. Ça n'empêche pas de les féliciter et de les applaudir. Mais la petite finale sert à ça. On va mettre en place ça. Les deux pilotes, et je vais demander une information au directeur de course. Je vais demander si on peut lancer la finale avec le public. On va voir si on peut faire ça. Je vais me renseigner dans quelques instants. Non, j'essaierai de lancer oui, la grande finale. J'essaierai de lancer la grande finale. Battle numéro 2, run numéro 2 pour cette petite finale. Et c'est un top départ donné par Alexandre. Axel François leader, suivi de déjà très près par Mathias Locatelli. Regardez ce transfert. Vidéo drone qui est plutôt belle. Cube 3 validé pour Axel François. Suivi de près, hein, toujours par Mathias Locatelli. Ça va très 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 vite. Ça transfert, ça fume énormément le dive de Mathias Locatelli jusqu'à la ligne d'arrivée. Ouh là 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 là, c'est proche. Je vais vous demander d'applaudir très fort hein, les deux pilotes à l'annonce des résultats. Les juges sont en train de délibérer, pardon. Je suis un petit peu rapproché du micro, on va s'éloigner un petit peu. Les replays ont été demandés. Donc là, il y a une. Je peux vous dire une chose, c'est que les juges sont en train de délibérer encore et encore. Alors on va voir s'il y en a un ou pas. Et c'est une victoire de Mathias Locatelli. Victoire de Mathias Locatelli
qui signe la troisième place ce week-end. Et qui, par conséquent, monte sur la troisième marche du podium. Maintenant, je vais changer de micro. Ok, est-ce que ça marche côté public? Très bien, le micro sans fil marche côté public. Je vais me rapprocher de la direction de course. Écoutez-moi. On va essayer de synchroniser la finale, le lancement de la finale ensemble. Écoutez-moi Calmon, écoutez-moi bien, on va faire le décompte, on va faire le lancement de la finale ensemble, ok? On va faire le décompte ensemble, on partira à partir de 5, ok? Donc je vais vous demander de tous faire le décompte avec moi. Là je vois donc la dernière voiture regagner la start, on récupère les deux derniers boîtiers télémétriques et après on fait le départ ensemble de la grande finale du round numéro 5 à Calmon. J'espère que vous êtes réveillés parce qu'il va falloir donner du cœur. Attention, j'attends la validation du directeur de course et on va commencer. Attention. 5, 4, 3. Et c'est parti, top départ. Cette fois-ci, c'est Jason Bennett qui est leader face à Anthony Rocci. Le déclenchement validé proche de la barrière pour Jason Bennett et Anthony Rocci qui va jouer la proximité sur les deux premières parties du tracé. Dernier clip, deuxième clip, troisième clip validé. Ça fume déjà très très fort pour Jason. Il va falloir suivre la cadence avec un petit peu moins d'angle peut-être pour Anthony Rocci. Dernier virage, ça va jusqu'à la ligne d'arrivée. C'est validé pour les deux pilotes. Ça rupte quand même pas mal derrière ce... Ouais, c'est... J'espère que Anthony a pas dératé derrière, ou alors c'est peut-être Jason qui rupte énormément. Allez, on les applaudit, on les encourage. Jason, il avait pas le pare-choc à l'aller. Genre, il a plus. Il l'a jamais. Du coup, je suis plus sur les écrans. Là, je suis face à la piste. En haut, à côté de la direction de course. Et à côté des juges. Avec le micro sans fil pour descendre assez rapidement au niveau du podium. Juste après. Pour vous annoncer les résultats. Et pour faire le podium avec vous. Soyez prêts, calmement, on va refaire le départ ensemble. J'attends bien sûr la validation de la direction de course. Je vois Jason Bennett qui regagne la start. Alors attention, préparez-vous. 5, 4, 3, 2, 1. Et le top départ est donné, vous avez été opérationnel. Merci, calmement, vous êtes au top. Et c'est parti, Anthony Rocci qui appelle contre appel, très proche de la barrière sur le clipping numéro 1. On enchaîne clipping numéro 2, et je vois pas d'où je suis, mais c'est pas grave. Clipping numéro 3, on vient qui? Oh là 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 là, quelle proximité, le transfert sans problème, très bien synchronisé. La ligne est magnifique de la part de Jason. Oh là là, le transfert ultra proche. Oh là 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 là. C'est peut-être pas fini, hein. C'est peut-être pas fini.
On attend le résultat. Il peut y avoir encore un résultat nul. Il peut y avoir un one more time, on ne sait pas. Tant que les juges n'ont pas donné le résultat. Je vais récupérer d'ailleurs le résultat auprès des juges juste après. Oui, j'ai de la fumée derrière au niveau de la ligne d'arrivée. J'ai un moteur HS là, je pense. Oui, je pense qu'on a un moteur HS sur la série 1. Hein. Il y a de l'huile partout et de la fumée. Je pense qu'il y a quelque chose qui est passé à travers. Il l'a poussé jusqu'au bout. C'est du liquide de refroidissement. Donc voilà. Voilà. On confirme un résultat. Liquide, peut-être liquide. La fumée, c'est peut-être pas. C'est peut-être pas de l'huile. Hein. Ok. Est-ce qu'on a un résultat côté juge? Je demande. Je valide. Je crois que j'ai entendu, mais je valide. Ouais, on a un résultat. Tu peux me le noter, s'il te plaît, Nuno. Il y a une décision qui a été faite, donc j'ai une bonne nouvelle. On va se rejoindre au virage numéro 2, 3, 4 pour l'annonce des résultats. Merci, merci Lily, je vous rejoins en bas, moi. Alors je vais voir si le micro fonctionne loin, hein. Je vais voir s'il il fonctionne bien. Mais en tout cas, merci à Calmon Sport Mécanique de nous avoir régalé, de nous avoir permis d'organiser cette compétition. Je me dirige, c'est pas facile. Hein. Ça marche encore le micro? Ouais, ça marche encore. Je me dirige, c'est pas facile parce que Calmon, c'est très éparpillé. Il faut parcourir pas mal de kilomètres pour rejoindre la piste. Mais en tout cas, merci au public d'avoir été si présent et si chaud toute la journée. Ah voilà, je retrouve un petit peu le son. J'espère qu'il va pas y avoir de l'arsène en passant devant les enceintes. Je vais faire attention quand même. Attention, merci. On a l'impression d'être à Fort Boyard. Hop. Alors, le temps de passer. Voilà. Ah, ça fait du bien. Ils sont trempés. En même temps, il doit faire au moins 40 degrés dans les voitures. Ah, je vais vous demander quelque chose. S'il vous plaît, Calmon, faites du bruit, Calmon. Aïe, aïe, aïe. Ils sont fous dans la région toulousaine. Vous êtes vraiment géniaux. Merci à vous de nous avoir supportés ce week-end. Merci d'être venus, vraiment. Vous étiez 5h30 du matin. Il y a des bargeaux qui étaient là. Bref, toute la journée, vous avez été complet. Je vois, je suis pas descendu depuis tout à l'heure, mais je vois ici que tout est complet. Donc, merci à vous. Merci aussi à Calmon Sport Mécanique, là j'en vois pas, de nous avoir accueillis encore une année supplémentaire. Ici, merci aussi au commissaire de piste, sans qui tout ça ne pourrait pas avoir lieu. Commissaire, c'est très 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 important. Merci à tous nos partenaires, je pense à Exis, je pense à Clutch Driftware, à ST by Jacob Sport, à EVO bien sûr, à AutoWeb, à Zestino et à Zecnova bien entendu. Partenaires du championnat, sans qui tout ce beau monde ne pourrait pas être là, sans qui toute cette compétition n'aurait pas lieu. Okay. Alors, merci à tous les viewers qui étaient présents sur le live. C'était juste exceptionnel de vous avoir avec nous encore plus nombreux pour chaque course. Merci, merci. Je laisse se poser 30 secondes parce que je peux vous dire qu'il fait très 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 chaud dans les voitures. C'est bon? Est-ce qu'on peut passer au résultat, Jérôme? J'ai les résultats. On va commencer par la petite finale et on a une particularité dans le drift vu qu'il y a deux personnes à la petite finale. On applaudit la personne qui arrive au pied du podium, donc juste à côté ici. Je vais vous demander de faire un tonnerre d'applaudissements pour Axel François, mesdames et messieurs. Axel François, quatrième ce week-end. Viens ici, Axel. Viens ici. Qu'est-ce qui se passe? Une dédicace à ton pare-choc? Qu'est-ce qu'il y a? Moteur HS? 300 000. Ah, moteur. Il vient de me dire, le moteur qu'il a changé dans la nuit, il avait 300 000 km et ça faisait 10 ans qu'il n'avait pas tourné. Il y a toujours 300 000 km et ça fait 10 ans qu'il n'avait pas tourné. Donc, sacré paire de couronnes pour le changement de moteur, c'était bien. Eh bien, on peut l'applaudir encore une fois, s'il vous plaît, mesdames et messieurs.
Et il nous a régalé, Axel, mais son adversaire aussi nous a régalé. Sa voiture, elle est juste là, vous la voyez, cette BMW 92. Elle est démoniaque, elle explose absolument tous les compteurs ce week-end. Je vais demander de faire un tonnerre d'applaudissements pour Mathias Locatelli, troisième ce week-end. Voilà. Bravo Mathias, on peut l'applaudir encore une fois. Mais ça, c'était déjà extraordinaire, mais c'était que la petite finale. Et il y a eu la grande finale avec de grands pilotes. Ils sont où d'ailleurs? Ils sont juste là. Donc, on n'a pas eu le résultat, du coup. On n'a pas eu le résultat, c'est moi qui vais vous l'annoncer tout de suite. Donc, montée deuxième ce week-end sur le podium. Deuxième ici pour le round numéro 5 à Calmont. Je vais vous demander de faire un max de bruit, mais un max de bruit pour Anthony Rocci, mesdames et messieurs. Anthony Rocci. Quel spectacle, quel spectacle, merci. Encore une fois, lui qui vient de monter sur le podium, Anthony Rocci, mesdames et messieurs. Il s'est battu du début à la fin. À la fin, il a éclaté quelque chose, je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, je crois qu'il a éclaté une durite de refroidissement ou quelque chose comme ça. En tout cas, ça fumait pas beau à l'arrivée. Durite. Durite. Alors, je vais vous demander de faire encore plus de bruit pour ces trois pilotes. Faire encore plus de bruit pour le champion ici, ce week-end, celui qui remporte la manche, Jason Bonnet. Ces quatre pilotes, mesdames et messieurs, voilà le podium du round numéro 5 du championnat de France de drift à Calmont. Du coup, je me permets, les gars, je vais vous annoncer normalement le classement actuel du championnat. Jason, j'ai une très bonne nouvelle pour toi parce que tu prends la tête du championnat de France de drift. Tu prends la tête du championnat de France de drift. Il vient juste de détrôner celui qui tenait la tête quasiment depuis le début de l'année. Il vient juste de détrôner Antoine Amar, qu'on peut applaudir, qui est deuxième au classement général actuellement. Et il y en a un autre qui monte au classement. Il est troisième au général. C'est Mathias Locatelli. Il remonte au classement. J'ai pas le dernier. Si, c'est... Oui, c'est bon, je l'ai. Ça y est, c'est bon. Je l'ai. Oui, je l'ai aussi. Et celui qui est quatrième au classement général, avec une course en moins par rapport aux autres, deux courses en moins par rapport aux autres, donc c'est un très bel exploit. C'est Axel François, quatrième, il a deux courses de moins, il est quatrième au classement général. Je vais vous demander une dernière chose, Calmont, faites un maximum de bruit pour vous. Merci à tous, merci à toutes pour ce week-end. Jérôme veut nous faire un petit clapping, ils étaient chauds, qui sait. Allez la team, allez hop là, on se cale, on s'installe. Même les équipes, venez. Je vais essayer, ah, je suis désolé, je me mets sur la pole pour qu'on voit un petit peu sur la cam. Il y a du monde ici. Jérôme, vas-y, je te laisse lancer ici avec la Red Team. Allez, ensemble le public. Allez. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour ce round numéro 5 exceptionnel. On se retrouve dans quelques semaines pour la finale du championnat de France de drift au Val de Vienne. Ciao les amis, merci encore et à bientôt. Partez doucement, oui, faites attention à vous, partez doucement dans le public. Merci, ciao.
Salut, c'est Antoine de la SRG Drift Team. Je viens aujourd'hui vous présenter les pneus Zeknova avec lesquels on roule en compétition depuis plusieurs années. Depuis qu'on roule avec, on est au niveau de voitures qui ont plus de puissance que nous. Rapport qualité-prix, je pense qu'actuellement, il n'y a pas grand-chose de mieux sur le marché. Donc je vous recommande vraiment d'essayer ces pneus, vous n'en serez pas déçus.